Yo les frérots, bienvenue à tous. Yo Brian, yo Sky, vous allez bien les BG? On va changer de playlist. Ouais, ça va tranquille, hein? Ça va tranquille les frérots. Je vais pas rester longtemps, j'ai bientôt me co-hoquer, pas de problème. Pas de problème. Ah là là. Alors, pourquoi je suis en mode what the fuck? Playlist. Oh là là. Je baille toujours, moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'as qu'à pas te faire spoil, bâtard. Toujours fatigué, toi, je te jure. Je te jure. C'est quoi cette playlist? Tac. Comment ça, on l'est tous? Si tu le souhaites, tu peux ne pas te faire spoil, hein? Faut dormir la nuit. Bah ouais, mais si t'évitais de ronfler aussi, je dormirais peut-être mieux. Je pense pas rester trop longtemps mal aux dents. Ouais, vas-y, vous inquiétez pas les gars, vous venez, vous revenez, vous passez, vous partez quand vous voulez les frérots. Je ne force personne à regarder mes streams. T'as le micro coupé. N'empêche, c'est moi qui avais pas le micro coupé et moi qui ai balancé une grosse insulte. Hey, il y a 40 personnes déjà de cola. C'est quoi ce délire? C'est quand t'es posé dans ton lit et que tu fermes les yeux. Et que tu fais pas chier le monde. Ok. Il y a eu des whitelists hier soir. Et bon, on va voir ce que ça donne alors. Hein. Ouais, mais c'est mieux quand c'est Mamodo qui me l'a dit. C'est un peu de la merde ces musiques, vous en pensez quoi? Je m'attendais à mieux. Merci BG. T'as pas fait la whitelist hier? Oups, c'est ça. T'étais occupé, hein.
Merci BG. Bonjour le taxi qui meurt de faim. C'est tout ce que t'as retenu de moi, Volgora. Comment il va le Volgora? Ouais, ça va tranquille, hein. Tranquille, tranquille. Allez, connecte-toi là, il y a un reboot dans 2 heures. Mais pas 2 heures, 1 heure et demie. Maintenant. Le temps passe vite. Le micro est bon, les frérots. Y a pas de galère. Est-ce que le micro est bon? J'arrive plus à faire ma voix de RP. En fait, ce qui m'aide mieux quand je fais ma voix de RP, c'est quand je me ravance comme ça. Ouais, les frères. Comment il va tout le monde? J'espère que vous allez passer un bon moment chez la Family's Industries. Voilà. Ça va les micros? Comment ça va? Je vais entendre qu'il est excellent ce micro. Après, c'est le réducteur de bruit et le compresseur qui rajoute un petit truc. Eh! C'est vrai, je me suis déco ici. Sauf que Océanou, elle est pas là. Le pro player, comment ça va? J'ai passé ma waitlist hier, BG. Ah, bah GG, frérot. GG. Ça va, ça s'est bien passé? J'ai vu 60 FPS là. Et genre ils ont optimisé le serveur. Genre. Ouais, c'était facile au final, bah bien sûr. Bien sûr. Ouais Antoine, c'est Zachary, comment tu vas? Très bien et toi? Ouais, ça va très bien, merci. Dis-moi, est-ce que tu peux me rendre un petit service? T'es en Dis-moi, service ou pas? oui. Pas vraiment, mais dis-moi quand même. Bon bah je te filerai un petit sou personnel. Alors est-ce que tu penses que tu peux venir me chercher à l'Unicorn et me déposer au taxi? Ça marche, je vais faire ça. Ah, merci beaucoup, tu gères. À de Vas-y, suite. là, tout de suite. Ça c'est fait. Comment ça se fait que le serveur il bug pas? Pas possible. Comment ça se fait qu'il bug pas? Ah mais merde, j'ai pas mis l'écran de jeu. C'est bon les frères. Et c'est bon, j'ai réglé le cadre de la cam. Hier il y avait un petit souci, mais là c'est réglé, vous voyez. En plus on le voit pas trop, tu vois, pour que ça se fonde dans la masse. J'ai réduit un peu l'opacité aussi. Ouais, je sais, mais j'ai plus rien à manger. Je vais me dépêcher dès qu'il va arriver.
Yo Jonathan, comment tu vas BG? Muscle s'est crispé. Mais c'est ta voiture ça? De quoi? C'est ta voiture ça? Bah ouais. Le petit Brabus, mais incroyable. Je t'ai dit que j'étais pas en service. Ah oui. Dis-moi, rapidement, avant le taxi, je te mets une pause. Bah, c'est sur la route, normalement, magasin. Tiens, juste ici. Je vais... Bon, va. Je vais... Eh, t'as un petit bouton Sport Plus sur le Babrice, ouais. Ouais, y'a moi, et pourquoi? Vas-y, appuie-tu. Vas-y. Fonce. Vas-y, ça marche. Ah, t'as un petit problème de santé, là? Là, j'ai très faim. J'ai pas mangé là. Non, mais vas-y, t'inquiète. Okay. Je me mets au défi, moi. T'inquiète, vas-y. Je fais confiance en ton voiture. Incroyable, confortable comparé au taxi. C'est qui à droite? Je connais. C'est Quentin. Quentin? Enchanté, Zachary West. On s'est déjà vu une fois, je crois. Ouais, c'est possible. Et pendant le trajet, je vais t'expliquer un truc, Antoine. Allez, je t'écoute. Coucou Linou, tu vas bien? Ça va, Elana? On est arrivé. Oula. Oui. Des dingueries. C'est hier, pareil, il y a une voiture qui est tombée du ciel. Non, mais t'as pas vu ce qui s'est passé? Ouais, je sais. Apu, donne-moi à bouffer, vite! Allez, Apu. Allez, donne-moi tout ce que t'as. Ouais, je vais prendre à bouffer aussi. Allez, donne-moi tout ce que t'as. Merci, Apu, tu gères. Ah, bah, c'est bon, en fait. J'avais large le temps. Tac. Ah oui, c'est vrai, hier, les flics, ils m'ont pris mon couteau, ces bâtards. Ah, bravo. Oh, c'est pas grave. Ouais, du coup, je voulais te dire... Ouais. Ouais, je t'écoute. C'est mon dernier jour que je travaille au taxi, je dépose ma lettre de démission. Ah, toi aussi? Ouais, c'est bon. Moi, j'ai trop donné pour le patron. Maintenant, je lui ai donné toutes les cartes à lui d'essayer de faire tourner son taxi. Bon, j'y crois pas trop entre nous, mais... Mais bon, il fait son bail. Hein. Moi, je vais... Il y a des entreprises là qui ont besoin de moi plus que ce taxi. Et en l'occurrence, le Unicorn. Du coup, je vais être co-patron Unicorn directement. Ok, ça marche. Voilà. Je pense que c'est une meilleure opportunité là que le taxi. Et voilà. Ok, bah moi c'est pareil, normalement, y a rien de sûr, mais y a peut-être moyen que je parte autre part, donc... J'avoue, il va être en PLS le patron, là, il va prendre les deux démissions. Cette semaine, c'est moi qui fais le plus de chiffres, quoi. Même si on enlève le 1000 balles d'hier qui a pas encore été payé, ça fait quand même... Si on enlève les 1000 balles en plus, ça fait 2 200 $ cette semaine pour moi. Ouais, bah moi j'ai rien foutu justement, là, je vais taffer... Pardon, je vais taffer toute l'après-midi, comme ça demain, enfin comme ça ce soir, je vais avoir mon petit salaire là, et je vais être bien, et après je quitte. Ouais. Le truc, c'est que moi, ça me fait chier de quitter, j'ai pas encore la confirmation de l'autre côté. Ah, t'inquiète pas, si je quitte le taxi, c'est pour une meilleure opportunité. On y va, mais ouais, j'ai pas encore la confirmation de l'autre côté, du coup ça me fait un peu chier de quitter maintenant en fait. Ouais. Mais t'inquiète, toujours une chance de se refaire. C'est ça. C'est que le début de toute façon. Ouais, justement, comme je disais à Quentin. Pourquoi tu stresses, Linou? Je me suis dit, vas-y, je vais chercher, je vais aller en parler de ma démission, mais. Ah, voilà quoi. Moi, je vais pas passer par 4 chemins, je vais aller dans le bureau avec lui et je vais lui donner mon truc. Attends, quelqu'un qui m'appelle. Vas-y. Oui, allô? Zachary West, le futur plus taxi de Liberty City, je vous écoute. Bonsoir, est-ce que ce serait possible de venir me chercher au niveau des éboueurs? Ouais, c'est possible. Alors j'ai juste mon ami qui me dépose au taxi, là, on est juste à côté, je prends mon service et j'arrive tout de suite. 5 minutes. Parfait, allez, patientez et j'arrive à tout de suite. Ça marche, merci. Il n'était pas prêt quand j'ai dit ça. moi j'étais pas prêt non plus, je t'avoue. T'as vu, d'habitude je suis là, le meilleur taxi de Liberty City. Ouais. Putain. Là, c'est bientôt plus taxi, ouais. Non, mais au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. C'est vrai que... Il est un peu qu'on prend sur les bords, quoi, pour pas être méchant. Ouais, c'est ça. Il y a les taxis jaunes.
Ouais, c'est clair. Cool d'avoir de la place. Tous les gens qui veulent se faire apporter chez les taxis vont être contents. Ouais, je sais pas s'ils en auront vraiment l'envie. Hein. Merci à toi. Vas-y, donne ton IBAN, je te file un petit truc. Vas-y, ça marche. Du coup, mon IBAN, c'est 51. Tiens. Oh putain, merci beaucoup. Petit billet. Oh, ouais, t'inquiète. Petit billet. C'est pour le sport c'est plus. Pour dire. C'est pour le sport plus. Merci à Allez. Toi. Elle est déjà grise la voiture. Allez, c'est parti. Tac. Work. Tac. Tac. Non, et puis ils sont nuls ces taxis. Ouais. Bah moi ça va nickel et toi Linou? Mis à part ton stress. Putain, j'ai entendu un véhicule freiner sec derrière, il y avait même pas de voiture. Ah non. Putain, casse les couilles ces lags. Ok. Eh, c'est quoi ce brouillard de ouf qu'il y a? Eh, je kiffe trop Liberty avec le brouillard. Pas trop bien en vrai, pourquoi tu vas pas bien? Ouais, même moi j'ai cru que j'avais crash. Monsieur, bonjour, installez-vous, prenez un asseoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Ouais, ça va super. Dites-moi, où est-ce que vous voulez que je vous dépose? Alors, je voulais d'abord passer par une supérette pour acheter à manger et après aller au parking le plus proche. Très bien. Alors, la supérette la plus proche, elle se trouve juste ici. C'est ça. Bon, la plus proche, elle est quand même un peu loin quand même. Non, il y a plus proche, il me semble. Non, il y en a une juste à côté. Ouais, bah oui, il y en a une juste derrière nous, en fait. J'ai même pas besoin de mettre le GPS. Très bien. Là, j'allais vous faire payer une sacrée facture. Heureusement, je suis attentif. Ouais. Je quitte le taxi bientôt, faut bien que je me fasse mon bif. Hein. Vous avez des nouveaux projets? Oui, bah de base, je suis copatron du taxi, mais j'ai trop donné là pour une entreprise qui en a un peu rien à foutre. Du coup, j'ai mon ami qui est patron du Unicorn, je vais être copatron Unicorn directement. Oh, comme ça, je pourrais l'aider. Ouais. Ouais, je suis vite. Ouais, y a pas de problème, prenez votre temps. Tout le monde a faim sur ce serve, je te jure. Mais tu stresses pourquoi, Linou? Faut pas stresser. Faut arrêter de stresser. Vous allez bien tout le monde, bienvenue à tous ceux qui rejoignent le live. J'ai fait le plein. Parfait. Et du coup, ouais, le parking juste en bas derrière nous. Ouais, très bien. S'il vous plaît. Je vous en prie, vous appelez comment? Moi c'est Andrew. Andrew? Enchanté Andrew. Zachary West pour te servir. Enchanté. Du coup tu travailles en tant que keboueur, c'est ça? Ouais, pour l'instant, mais très bien. Je vais essayer de voir un peu ce que je peux faire de plus intéressant. Oui, bien sûr, il y a plein d'opportunités qui peuvent s'offrir à toi. Bah vous qui êtes... Oui, attends, je réponds juste. Zachary West, le futur plus taxi de Liberty City pour vous servir, je vous écoute. Je vous écoute.
faut peut-être parler, hein, sinon moi je peux pas entendre grand chose. Hein. Bon, je vous laisse me rappeler si vous m'entendez. Ouais, du coup, vous m'avez dit. Ouais. Du coup, vous qui avez des contacts dans l'Unicorne, vous savez pas si ça recrute un petit peu des videurs ou quoi? Justement, moi je vais travailler dès demain au Unicorne, donc... ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'échanger nos numéros de téléphone. Ouais, carrément ça. Et je vous recontacterai au plus vite, sûrement même demain même. Carrément. Alors, si... Je sais pas comment on fait, moi, pour airdrop son numéro. Alors, vous allez dans les paramètres du téléphone. Vous allez tout en bas. C'est le quatrième avant-dernier, donc il y a marqué partage de contact. Et vous appuyez dessus. Vous l'avez reçu? Ouais, je l'ai reçu. Et vous aussi, normalement, vous avez reçu le mien. Et du coup, pour enregistrer le contact, vous allez dans l'application appel, suggérer. Ça, je l'ai fait déjà. Voilà. Allez, ça, parfait. Ouais, c'est nickel. Combien je vous dois? Alors, j'enregistre ton numéro. Parfait. Je sais même plus. Attends, je regarde le compteur. Ça fera 39 dollars. Je vous fais une facture. Ouais. Du coup, ça a réglé par téléphone? C'est ça. Et voici. Allez, hop. Alors si je veux la régler du coup... Oh, on m'appelle... Quoi? Par contre le numéro qui m'appelle c'est pas normal. Oui, allô? Oui, bonjour, non. Vous allez bien? Bonjour, ça va très bien vous? Ça va. J'aimerais, si possible, vous voir le plus vite possible. J'essaie de vous contacter depuis... Oui, enfin, vous, votre groupe, hein, peu importe. J'essaie de vous contacter depuis plus d'une semaine. Le souci, c'est que j'ai appris quelque chose sur vous. Et ça m'inquiète un peu d'entendre encore votre voix au jour d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ou je me trompe? Non, je vois pas, mais dites-moi. Je suis toujours heureux d'apprendre des rumeurs sur moi-même. Apparemment, vous aviez eu des ennuis avec des personnes et vous êtes fait potentiellement tirer dessus. Ah, bien sûr, mais ça c'est le risque du métier, oui. Mais pourquoi vous avez peur? Vous vous sentez visé? Parce que, dernière nouvelle, on m'a fait penser que vous n'étiez plus en vie. Oh, vous savez, les rumeurs dans cette ville courent. Hein. Peut-être que je suis réellement un revenant ou un zombie. C'est possible. Enfin bref, Léon dit, hein, on passe à autre chose. Écoutez, je contacte mon club et je vous rappelle au plus vite. Très bien, ça me va. Parfait, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Putain, il y a des gens qui m'ont dit que cette personne était morte et ils m'appellent. Ouais, c'est tout de suite un petit peu déstabilisant. Ouais, c'est clair. Bon, bah j'ai réussi à trouver comment payer la facture. Ah, parfait, ouais, c'était sur l'application banque et facture. Ouais. Très bien, bah merci à vous et au plaisir. Ouais, au plaisir, une très bonne soirée. Merci également. C'est Harley ou sa sœur ou je me trompe? Lexouille, ouais. Ça va? Ouais, bah ouais, mais non, ça va pas, et toi? Ouais, la voiture, je comprends. Bah moi, ça devait aller jusque... Jusque l'appel que je viens de recevoir. Oula, t'es grave? Très grave. Oh merde. Tu le connais, le patron de la pizzeria? Non. Ouais. C'est une personne qui a quelques soucis avec des gens, il s'est fait tirer dessus. Et non, il est mort? Tout le monde m'a dit qu'il était mort. Il est capote? Jusqu'à temps que je reçois son appel, là, en train de me dire « Ouais, j'aimerais vous voir au plus vite. » Hein? Ouais. Non mais il est mort ou il est pas mort? Normalement il est mort. Ah normalement? Oui. Mais imagine, a été ressuscité. Bah oui, mais comment c'est possible? Bah je sais pas. Bizarre. Je sais pas, en tout cas j'irai pas seul, ça c'est sûr. Ah, tu veux que je vienne avec toi? Tu veux venir avec moi? Bah si tu veux, oui. Ma caisse elle est foutue. Ah ouais, j'avoue.
Bah vas-y, viens avec moi. Oh vas-y, non, mais regarde, en plus, je l'ai acheté il y a 2 jours. J'attends que mon frère il se réveille et te la répare. Elle est trop mignonne, regarde. J'avoue, elle est belle. Mais tu sais que quand tu parlais de ta voiture que tu voulais, etc., machin, bah, j'avais exactement celle-ci dans la tête. Ah toi. Ouais. Oui, exactement, elle en mais plus. Mais par contre, je comprends pas, elle était rouge. Ça, c'est un autre souci, ça. Ouais. Je viens de capter, elle était toute rouge. Ça, c'est les bandits, ça. Ils peignent les voitures, là, comme ça, là, tu vois. Oh non. Ah, mais bon, ouais, c'est celle-là que j'ai achetée. Elle est trop mignonne, elle est toute petite. Vas-y, range-la, monte avec moi et j'ai quelque chose d'important à te dire. Ah, merde. Vas-y. Ouais. Il dit qu'il m'appartient pas. Ah merde. C'est quoi cette connerie? Mais y'a qu'à toi qu'il arrive des trucs comme ça. Non mais... Attends. Bon, je verrai plus tard. Très bien. Allez, je suis perturbé là avec cet appel. Vas-y, je te suis. Putain, il me rappelle tout de suite en plus, mais putain, je suis en train de parler à un mort, sérieux. Oui, moi qui pensais que les morts oui, étaient calmes. Dites-moi. Oui. Bah, c'est vous qui m'aviez appelé, non? Bah, je vous ai appelé quand? Bah là tout de suite, je viens de décrocher mon téléphone. Non, j'ai appelé quelqu'un d'autre. Vous êtes sûrement trompé de numéro, du coup. Non, parce que je l'ai eu au téléphone. Nous avons parlé. Bah c'est bizarre. Bah le téléphone a quelques soucis en ce moment. Mais vous êtes le copatron du Galaxy, c'est ça? Non, pas du tout. Moi je suis la personne que vous voulez voir, vous m'aviez appelé tout à l'heure. Avec mon club. Ah oui, bien sûr. Bah ouais, du coup, il y a eu un bug de téléphone sûrement. Ah oui, ou bien peut-être que j'ai votre numéro en double. Ça peut aussi être. Ah ouais, c'est possible. C'est possible. Parce que là, je vois deux noms différents, donc je vais juste supprimer celui-là, je pense. Il n'y a pas de problème. Bah, à tout à l'heure. Ouais. À tout à l'heure. Lexoï, comment tu vas? Oui, pardon. Je vais super bien, et toi? Ouais, ça va. Dis-moi, est-ce que tu as encore démissionné maintenant du Unicorn ou pas encore? Non, pas encore. D'accord. Je sais pas si ça peut te motiver ou je ne sais pas ce que tu comptes faire maintenant, mais j'ai pris une décision moi personnellement. Tu vas faire quoi? Ce soir, je pose ma lettre de démission au taxi et je vais partir en tant que copatron Unicorn et remonter l'entreprise. 100%. Fini toute la racaille, ouais. C'est pas vrai. Fini toute la racaille, fini toutes ces conneries au Unicorn. Et ça va être la meilleure entreprise, la meilleure boîte de nuit de Liberty City. Ah ouais? Ça veut dire que Océane, elle a quitté? Non, pas du tout. Justement, je suis là pour elle, pour l'aider. Oh, trop bien. Ouais. Bah écoute, j'ai pas encore démissionné parce que je vais avoir quelque chose de sûr derrière, tu vois. C'est ça, ouais, je comprends. Mais je vais y réfléchir du coup. Voilà, c'était pour te prévenir. Bah, c'est cool. Ouais, c'est motivant quand même. Hein. Bah, là, elle était heureuse quand je lui ai dit ça. Parce qu'elle sait... Elle sait qu'elle, toute seule, avec les 3 personnes simples qu'elle a recrutées et tout, là, qui... C'est 3 personnes qui recrutent et ils ont aussi peur du unicorn que elle. Ah oui. Et les histoires, les machins de kidnapping, les braquages, les ceci, les cela, ça n'existera plus. Non mais c'est chaud. Chaque soirée, je vais payer des agents du LCPD pour qu'ils restent du début à la fin, déjà. Oh mais trop bien. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Bah, s'il y a un problème, oui. J'ai... Je sais pas si tu connais Melo Jefford. Non, du tout. C'est un gars sûr, hyper baraqué, hyper... avec une grosse voix imposante, là. Il est pas là pour rigoler. Je l'ai recruté au pas. Taxi et je vais voir pour qu'il passe chef de la sécurité aussi du Unicorn. Ah, ça va plus bah être ouais. Comme avant, ça c'est sûr. Il faut que je contacte mon club pour savoir pour Don Vito là. Mm-hmm. Est-ce qu'on le voit
sans le club ou avec. Je vais demander. Oula, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Alors, tac. Numéro privé, qui est-ce? Oui, allô? Oui, allô, ça va? Ça va, vous, mais qui êtes-vous? Votre numéro est privé. Ah merde, excuse-moi, j'ai oublié de... Parce que j'ai les cops au cul en ce moment, tu m'as compris, quoi. C'est qui au téléphone? C'est Scar. Ah, ok, Scar, dis-moi. Ouais, désolé, je t'ai appelé en privé, désolé, excuse-moi. Je voulais savoir. Bon. Le petit groupe, là, il est en train de se refaire, etc., etc. Et je pense que votre petite proposition que vous avez fait l'autre fois, on serait partant pour peut-être l'accepter. Très bien. J'ai rendez-vous avec mon club ce soir, je leur tiens au jus et je te donne des nouvelles ce soir, je te rappelle. Mais sois présent ce soir, du coup. Ouais, faut que j'en parle avec l'autre grand de mon quartier, là, le gars qui est avec moi. Et je vous redis pas, et je te redis par message, c'est bon. Ok, pas de problème. Mais normalement, ça serait carré, normalement. D'accord, très bien. Bah, je te tiens au jus. Ok, merci. Vas-y. À plus tard. Ok, Don Vito. Par contre, toi, j'ai peur que si je prends rendez-vous avec lui, tu sois au courant des choses que tu ne devrais peut-être pas l'être. Moi ? Ouais. Ah, mais je t'attendrai ici, hein, t'inquiète. Je vais essayer de voir. Je vais prendre un risque, mais on va le faire. Normalement, de toute façon, je suis pas en danger. Ouais. Comment ça ? Il est censé être mort, le type. Il a fait une guerre contre des gens, il est mort. Ouais, c'est ça que je comprends pas. Ouais, je suis vraiment le seul de mon équipe. Et toi, sinon, la vie en soi, à côté du travail, tout ça, ça va? Ouais, tout roule, hein, écoute. Bah, tant mieux. Ouais, j'ai zéro souci, moi. Et t'as entendu parler qu'en Chine, y avait une attaque de zombies? Quoi? Ouais, j'ai vu ça sur TikTok. Une attaque de... En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait plein de personnes qui couraient en criant et tout. Et où t'avais des gens avec des yeux blancs qui les poursuivaient, en Chine. Ah bon? Ouais, je te jure. Oh, ça fait peur? Bah oui. J'ai appris ça. Je me suis dit, mais oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais moi, j'en ai pas entendu parler. Yo Mani, comment tu vas, BG? Bienvenue à toi. Bah ouais, moi non plus. Et je pense que ça doit être du fake, sinon il y a longtemps que ce serait passé à la télé. Ouais, je pense, hein. Bon, après, quoique, je regarde plus la télé. Si ça se trouve, c'est réellement passé. Ouais, après, moi, je sais pas, je regarde plus non plus. Est-ce que tu... Oula, qu'est-ce que c'est que cet endroit, là? Où je te ramène, ouais. Moi, oh. Ouais, Zach, on va se calmer, désolé, hein. Désolé. C'est pas toi, tu m'as dit que la course, tu voulais la payer en nature. Non, je rigole, je rigole. Non, je rigole. La vie. Ah là là, les ruelles, là. Laisse tomber. Ouais, mais il y en a beaucoup ici, en plus. Mais je vais pas faire une supérette, BG. Ah là là. Je sais ce que je vais faire. Je vais dire au LCPD, j'ai rendez-vous avec un mort vivant. Oula. Si j'ai pas de nouvelles, si vous avez pas de nouvelles de moi pendant machin, lancez toutes les recherches sur moi. Ouais, comme faut ça. Prendre les devants, on sait jamais. Ouais, on sait jamais. Merci Mani pour ton follow. Merci BG. Je vais boire après, hein.
Vas-y, viens avec moi si tu veux. Monsieur l'agent, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Bonsoir. Bonjour. Eh, monsieur l'agent. Oui. Là, dans actuellement, je pense 5 voire 10 minutes, j'ai un rendez-vous. Un rendez-vous avec une personne. Et une personne qui... Mes dernières nouvelles, il n'était pas vivant. Attendez, du coup, ça m'inquiète un peu. Mais frère, c'est important ce que je te dis, je vais peut-être mourir. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Racontez-moi. Je vous dis que dans quelques minutes, je vais avoir un rendez-vous important. Un rendez-vous d'un homme qui m'a appelé, qui normalement est censé être mort. Vous voyez ce que je veux dire ? Et oui, je parle bien américain là. Il est censé être mort, réellement. C'est pas une blague ce que je vous dis, c'est réel. Et du coup, je viens vous prévenir que pour moi, ce rendez-vous, il peut être important. Du coup, je tiens à y aller quand même. Je prends peut-être un risque, oui, je suis un trou du cul, mais... Mais j'y vais quand même. Maintenant, je vous tiens au jus. J'ai besoin de nous, c'est ça ? J'ai besoin de vous pour une seule chose. Dites-moi. Attendez, je vais raccrocher ça. Dans l'application service, vous, votre numéro à vous, c'est lequel ? Pour vous tenir au courant. Enfin, votre nom, mais on va dire que c'est votre matricule, quoi. 99 j'ai pas votre nom. Au début. Attendez, si mon téléphone il pouvait éviter de bugger, là on a les derniers iPhones, ça bug comme je sais pas quoi. Alors. Ouais, mais y a pas trop le. Dites-moi, Derek, Fabio ou Adrian ? Ah. Ouais, mais vous inquiétez pas, c'est le matricule, on va dire. Je connais pas votre nom, bien sûr. 17, Adrien. Ouais. D'ailleurs, d'accord, très bien. Écoutez, dès que je vais à ce rendez-vous, je vous appelle pour vous prévenir. D'accord. Et à partir du moment où je vous appelle, si dans 15 minutes, vous avez pas une nouvelle de moi, de toute façon, je vous donnerai la position approximative. Je voudrais que vous lancez toutes les recherches sur moi, si vous avez pas de nouvelles. Attendez, expliquez-moi ce qui se passe là. Dans à peu près 10 minutes, enfin là, il y a une personne qui va m'envoyer une position. J'ai rendez-vous d'accord. avec lui. Cette personne veut absolument me voir. Même par mail, il m'a harcelé pour me dire il faut qu'il me voie. Par contre, d'accord. cette personne, à mes dernières nouvelles, elle est morte. Elle est pas vivante, cette personne. Il est décédé, pas par moi, hein, mais il a eu des problèmes avec des gens, il est mort. D'accord. Clairement. Et le problème, c'est que cette personne m'a appelé là tout à l'heure. Donc moi, ça m'inquiète un peu. J'ai pas envie de tomber face à un zombie, quoi. En effet. Et cette personne, avec les problèmes qu'elle a eu, j'ai pas envie d'en avoir non plus. Mais s'il veut me voir, je tiens quand même à y aller pour savoir. C'est un homme. D'accord. Donc un homme présumé mort qui vous harcèle en fait afin de vous revoir, c'est ça ? C'est ça. Bah en fait, il m'harcelait avant sa mort. Mais après sa mort, j'avais plus de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Il est mort il y a 2 jours, normalement. Quel est son nom ? C'est le patron de la pizzeria. Patron de la pizzeria. Le patron de la pizzeria me donne pas un nom précis. Vous auriez son identité ? Don Vito. Don Vito. Voilà. D'accord. C'est de ne pas contacter, etc. avant que j'ai un problème. Si j'ai pas de problème, tant mieux. De toute façon, je reviendrai vous voir pour la suite. Et comme je vous l'ai dit, vous serez averti si j'ai quoi que ce soit comme problème, bah... Vous saurez quoi faire. Dans tous les cas, je vais donner une fréquence à Alexi Radio, qui restera assez loin. Et s'il y a quoi que ce soit, je lui ferai signe par Radio, et de toute façon, elle vous en informera s'il y a quoi que ce soit comme problème. Donc alors, ça veut dire que dans 10 minutes, vous avez donc un rendez-vous avec une personne présumée morte. Exactement. Tout simplement vous reparler. C'est réel, vraiment... c'est pas une blague, je vous jure que c'est réel. Okay, c'est d'accord. pour ça, moi-même, je suis pas rassuré, et je viens vous prévenir. Alors que d'habitude, des rendez-vous, je vois pas pourquoi je vous préviendrai, quoi. Oui, en effet. Et pourtant, je vous promets, je vais pas donner de joint. Hein. Ah non, je ne consomme pas. D'accord. Ça m'arrive le soir, des fois, avant de dormir. Ah, parce que là, ça sent un peu fort. Ah, je suis désolé, je viens de me réveiller et j'en ai besoin. Très bien. Ah, d'accord. Donc, vous en voulez un peu ? Ah, non. T'as pris le numéro ? Non, je touche pas, c'est ça le plus. De toute façon, au cas où vous aurez de quoi me contacter, si vous voyez que je réponds pas, c'est qu'il y a un problème. Si je réponds, même en plein rendez-vous, si par exemple vous voulez m'appeler au cas où, je répondrai, je dirai ok, et après je raccrocherai, pour dire que c'est d'accord. bon. Si je décroche pas, c'est qu'il y a un problème. Bon, des fois il y a des bugs téléphone, donc n'hésitez pas à rappeler. Et vous avez le lieu du rassemblement ? Non, pas encore, je lui ai dit de m'envoyer la position. Je vais même le rappeler de suite, tiens, devant vous. Très bien, bah mettez-vous en route et nous on vous suit de près. D'accord, par contre, faut vraiment qu'à partir du moment où je suis dans la zone, votre véhicule reste assez loin. Faut pas qu'il puisse vous voir, sinon c'est fini pour moi. Bah, on va prendre un véhicule banalisé. On peut pas.
Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Là, c'est une personne en danger. Oui, mais on a... Effectivement. Faut demander l'autorisation. Potentiellement. Est-ce que tu vois un upgradé quelque part, à part toi? Non. Donc, on prend un véhicule banalisé pour sauver la personne. Il faut aussi appeler des unités. Pour le moment, les renforts sont pas vraiment présents. Imagine si vous pouvez, éviter de... Non, je pense pas. Non, je pense qu'il va être seul. Mais si vous pouvez juste éviter de pour le moment, prévenir vraiment tout les CPJ pour ça. Parce que le problème, c'est que si au final, il se passe rien, j'ai pas envie d'avoir de problème, quoi. Après, c'est peut-être un date qu'il veut avec toi, Zach. Tu crois? Un mort vivant qui veut m'offrir une pizza? Ouais. Bon, écoutez, un date d'une personne présumée morte, ça semble un peu glauque. Bah, peut-être qu'il veut faire voir son nouveau cercueil. Je pense que c'est la capitaine. C'est possible. La capitaine, d'ailleurs? Ouais, je pense. En tous les cas, cool. Dès que j'ai la position, je vous contacte vous pour vous prévenir que je suis en route et je vous donne approximativement la zone. Comme ça, au moins, vous saurez vous rapprocher au cas où il y a quoi que ce soit. Moi, j'informerai Lexi par radio. S'il y a vraiment un problème, elle saura vous contacter. C'est reçu. Bah écoutez, on va informer la capitaine qu'on va prendre des véhicules banalisés et on va se tenir au filet, tu vois. Très bien. En tout cas, merci à vous. Pas de soucis. Tenez-nous au courant tout de suite de la position. Je vous tiens au courant plus vite. Bon, je vous donnerai pas la position exacte parce que j'ai pas envie que vous gourrez qu'il y ait un véhicule banalisé qui passe à côté de nous. Je risque d'avoir des problèmes. Envoyez-nous directement votre localisation à vous, dans la zone, depuis la radio de la police. Très bien. Depuis la radio de la police? Oui, vous envoyez une position sur la radio de la police. Ah ouais, par contre, est-ce que c'est bien? Attendez, on va faire un test parce que je suis pas sûr, mais j'ai un numéro de police justement. Et je vais juste voir que c'est bien lui. D'accord. Alors attendez. Yo! Ouais, super. Yo, comment tu vas? Mais ça va et toi? Ça va super. Ouais, dis-moi. Moi, j'étais pas trop disponible ces derniers temps. Vous avez deux sœurs jumelles, je suis parti au pays, je suis allé voir la famille, tu connais. Hein. Ouais, je comprends, y'a aucun problème, c'est normal. Ouais. Dis-moi, voilà. King. Tu le connais, le patron de la pizzeria, on est d'accord? Le patron de la pizzeria, non, je le connais pas. Pour votre respect, Don Vito. Comment? Don Vito. Vito. Ouais, parce qu'elle dit que ouais. Patron de la pizza, ça me dit rien. Vito de nom, bien sûr, mais après. Il le cache pas, qu'il est patron de la pizzeria. Non. C'est un Italien, tu as déjà eu un rendez-vous avec lui? Avec les Italiens, bien sûr. Mais ouais, respect. Donc voilà, c'est sûrement avec lui que tu as eu rendez-vous, c'est même sûr à 100%. On a besoin de vous aussi. D'accord. Cette personne, est-ce que tu as eu des dernières nouvelles, mauvaises nouvelles de lui? Non, pourquoi? Vas-y, parle, 34. Parce qu'apparemment, il se serait fait tirer dessus, etc. Et il aurait été mort. Il se serait fait tirer dessus? Voilà. D'accord. Il y a deux jours. Sauf que le problème, c'est que là... Je vais aller m'informer, alors. Là, le problème, c'est que il veut me voir absolument. Alors qu'il est mort pour moi, en fait. Il m'a rappelé là tout à l'heure. Bah oui, mais moi, on m'a donné l'info sûre comme quoi qu'il était mort. Eh bah, c'était une info pas sûre, vérifie tes sources, boy. Ouais, je vais aller l'appeler, je vais te dire ça. Hein. Très bien. J'ai appris que vous avez vendu chez nous, Ouais, justement, par rapport à ça, on verra avec le. Avec directement le président, c'est lui qui veut discuter avec toi par rapport à ça. Parce que, les boys, moi je suis pas à vous faire des prix, etc. Okay. Mais bien. Le souci, c'est que, ouais, moi ça me fait plaisir de voir ça. Oui, moi je comprends. Tu sais, après, j'ai confiance en vous et tout, moi y'a pas de problème. Mais là, j'entends ça, je suis en mode, ouais, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, même moi. Même moi, par rapport à nous et nos derniers rendez-vous, je me suis posé des questions et je me suis dit, bon, moi j'écoute, on va dire que j'écoute le président, mais il discutera avec toi, mais. D'accord, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu un petit... Bon, c'est pas un conflit, on va dire une mésentente. Okay. Mais on discutera avec lui directement. T'es là ce soir? On va en discuter avec lui, alors. Ouais, rapidement, je sais pas là parfaitement, Bonjour, en ce moment, c'est dur. Pour ton service, on a besoin. Si ce soir, demain, ça s'assure. Ouais. En tout cas, si dans la soirée, t'arrives à te libérer une dizaine de minutes à peine, je pense que ce sera suffisant. Vas-y, on fait ça, oui. Bah vas-y, à tout à l'heure. Allez, big up. Big up. C'est possible de parler avec vous. Dites-moi, oui, dites-moi. Venez avec moi, monsieur. Venez. Monsieur l'agent, j'ai reçu la position. Vas-y, règle tes soucis. Ouais, vous m'entendez? Ouais, j'arrive. Ah oui, je vous entends. J'ai reçu la position. Vous voyez, 122, tout en haut à gauche. Pratiquement tout en haut à gauche. 122. Voilà, d'accord, très bien. 122. Vous voyez, il y a un parking, leftward. Parking, vraiment au bord de la mer.
Oui. Oui. Et bah, le rendez-vous, il est juste en dessous du parking. Vous, essayez de vous mettre vraiment quand même assez loin, mais proche de la zone, quoi. Mais assez loin. S'il y a le moindre souci... On se mettra sur la zone. S'il y a le moindre souci, j'en informe Lexi, viens radio 9220. Hein, 9220? Ouais, sur le téléphone, t'installes l'application radio si t'as pas. Ouais. Alors attends. 92.20. Voilà. Et tu verras, si t'entendras la radio qui fait tic-tic-tic-tic-tic-tic plusieurs fois, c'est qu'il y a un problème, il faut que tu préviennes au plus vite les agents. Alors, ils m'appellent en plus. Vous êtes à la banque centrale de la ville, c'est ça? Alors, faut cliquer sur le petit bouton vert qu'il y a. Oui, je vous ai envoyé le point. Ouais, je suis en route, je pars tout de suite. Vous êtes tout seul? Non, je suis avec mon ami, mais mon ami restera bien loin. Moi, je viens tout seul avec vous. Vous inquiétez pas. Si je suis avec une amie qui est tout seul, je suis en taxi, mais le véhicule, je le garderai loin et on discutera tous les deux. Allez, je vous remercie. D'accord, pas de souci. Merci vous aussi. D'accord. Voilà. Bon. Ouais, faites-moi confiance. Là, je suis tout seul. De toute façon, mes amis ne sont pas là cet après-midi. Mais j'arrive de suite. D'accord, très bien. À de suite. À tout de suite. Voilà, parfait. T'es sur la radio, Lexi. Dis-moi si tu m'entends. Vas-y. Ah, c'est parfait, on va prévenir la question. Ouais, c'est parfait. Dis-moi, est-ce que t'entends des petits crépitements si je fais ça? Oh la vache, ouais, j'entends tout, moi. Ok, très bien. Bah, si je fais ça, c'est alors, si ça s'affole comme ça, c'est que ok. Ouais, voilà. Tu vois, j'ai la petite radio à droite, là, en bas à gauche, tu vois. Ouais, je vois. Et j'arrive à appuyer sur le petit bouton en général. Ok, 80, on se met en route. Le suspect présumé mort se situe sur la route 122. Il faut se mettre à couvert et en attendre jusqu'à temps qu'il y ait un petit souci. À couvert, il faut sortir les fourchettes. Super drôle, hein. On se mettra donc en filature. Bonjour, vous allez bien. Monsieur informera bien sa... Ça va très bien, merci. Son ami, en fait. Le monsieur informera son ami par radio s'il y a un petit souci et qu'il se dépêchera. Madame Kowalski, nous informera directement s'il y a un drôle. D'accord, vous avez un descriptif d'individu? Ce qui paraît, c'est le patron de la pizza. La pizza. C'est ça, exactement. Qui est présumé mort. Voilà, moi c'est mes dernières nouvelles. Du coup, là, je vais y aller parce que je vais pas trop le faire attendre. Il va se poser des questions, sinon. Et voilà, surtout, essayez de ne pas mettre les sirènes, hein, très important. Pas de souci. En tout cas, merci à vous de votre aide. Mais respect. On y va de suite. Très bien, merci à vous. Merci derrière. Merci infiniment. De suite. J'espère que tout va bien se passer. Oh là là, c'est tellement kiffant! T'as vu. Je kiffe. Ah là 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 là. Je te ramène tout seul, le mec. Trucs, moi. Normalement, ouais, il est tout seul, normalement. Normalement, hein. Faudra faire attention, faudra que j'aille faire une ronde. Ouais. J'aime bien être dans des trucs comme ça. Moi, en France, j'étais pareil. Mais moi, j'aime bien. C'est pour ça que je me dis, ah si, je te ramène avec moi. Ça fait toujours un petit truc et tu t'ennuies pas au moins. Merci, Azad, pour ton follow. Il était prévu que j'aille à l'unicorn. Merci, j'ai fait une connerie. Ah ouais. C'est quoi, ouais, j'ai pas noté mes ventes dans la bonne semaine. Ah merde. Bah oui. C'est un souci, ça. Niki, merci pour ton follow, bienvenue à toi, BG. Comment vous allez, les frérots? Voilà, je chuchote maintenant. Vas-y. Merde. Volga, Volorga. Merde, j'arrive plus à prononcer ton pseudo. En fait, je suis concentré sur la route. On discute après le chat, hein. Là, faut que je me concentre. Merci pour vos follow, les frérots. Bienvenue à tous. Bon, au moins, j'ai assuré ma sécurité s'il y a un problème. Oui, c'est sûr. T'inquiète pas, je suis un bonhomme, moi. Enfin, je pense. Normalement. Oula. Passe vite, ces motos, là. Il est en retard. Attends, permets 2 secondes, je change de playlist dans ma tête.
Ok, parfait. J'espère vraiment que tout va bien se passer. Moi, ça m'inquiète un peu. Je j'espère aussi. Imagine, il me trouve et... il me braque. Ouais. Ça devrait le faire. Moi, j'ai pas mon Glock, hein, je préviens. Ouais, moi non plus, j'ai pas de Glock. J'ai mon couteau. Hier, le LCPD me l'a confisqué. Ah, moi, j'ai mon couteau à saucisson. Ça devrait le faire. Ouais. Ok, il m'a donné rendez-vous au-dessus, à gauche. C'est sûr. Tu vois, les escaliers. Donc, je te laisse ici. Ok, vas-y, il est là-haut. Tu devrais pas avoir de problème. Tu devrais avoir assez de temps pour appeler les flics s'il y a un problème. Ok, je reste dans la voiture ou je sors ? Reste dans la voiture, c'est mieux. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure, fais attention. Ouais. Ok. Première vue, il est tout seul. Monsieur Vito, bonjour. Je me permets, je m'assois. Allez-y. Vous allez bien ? Ça va très bien, et vous ? Ça va parfaitement. Alors, dites-moi, les rumeurs sur moi en ville sont-elles vraies ou non ? Au vu de la situation, je ne pense pas. À moins que vous êtes cloné. Ah, moi je dirais plutôt que ce ne sont pas les balles qui vont me tuer. Hein. Que s'est-il passé si c'est pas indiscret ? Oh. Oh, franchement, ce serait long à vous expliquer, hein. Très long. J'enregistre, mais très important. Bon. Si vous voulez, si vous avez du temps, je peux tout vous expliquer, évidemment, oui. J'ai à vous de voir. Disons que nous avons pu prendre au piège les Dominicanes, d'accord ? Dans un endroit qui était gardé par messieurs les Lost. D'accord ? D'accord. C'est un endroit qui était au cœur du quartier des Lost et nous avions eu l'accès de la part du président des Lost. Vous avez autorisé l'accès pour justement parler et faire en sorte que nous, la Cosa et les Dominicanes, puissions trouver un terrain d'entente. Parce que eux étaient vraiment pour la guerre. Vous comprenez ? Je comprends. Et du coup, je les ai menacés, en sachant que, vous savez, j'ai des armes à feu. Et eux aussi, d'ailleurs. Et je leur ai dit, bon, écoutez, messieurs, là, vous êtes dans la base des Lost, au sein même de leur quartier, avec une centaine de membres qui... voilà quoi, qui sont sur vous, hein, vous comprenez bien. Bien sûr. Et je leur ai dit, écoutez, moi je suis là pour parler, mais si vous voulez pas parler, on va faire les sommations et puis on va tirer. Hein. Et vous êtes pris au piège comme des rats dans la base des Lost. Et disons qu'ils ont commencé sans même rien dire, hein, sans même parler ou quoi. Ils ont directement ouvert le feu sur nous. Et voilà, donc effectivement il y a eu... bon, moi, je me suis pris 3 balles, c'était avant-hier. Je suis encore en convalescence. D'accord. Le médecin qui m'a pris en charge m'a dit que je pouvais... disons qu'en fait, le médecin m'a retrouvé dehors, dans la rue, sur un trottoir. Très bien. Et j'avais été laissé pour mort. Vous comprenez ? J'espère que ces personnes n'ont pas... n'ont pas prévenu tout le monde. Ils ont prévenu toute la ville. Qui... ouais. Ouais. Allez, sans douter si c'est le cas. Et donc, encore une fois, pour vous montrer à quel point ils sont barbariques, ils ont donc fait ceci. Mais bon,
Dans tous les cas, vous savez, ce n'est pas une grande perte. Hein. Nous n'avons rien perdu, à part du temps et un peu de sang. Et pour leur part, ils ont perdu. Là, ils ont 6 membres qui sont en convalescence. Parce que avant que nous puissions être neutralisés, nous avons tué 6 de leurs gars. Enfin, tué. Nous avons neutralisé 6 de leurs gars. Donc. D'accord. Disons que c'est peu cher payé. Hein. Une personne neutralisée chez moi, étant moi-même, contre 6 personnes de leur côté. Vous comprenez bien qu'on ne joue pas dans la même cour. Effectivement. Et donc, voilà, ensuite, ils ont propagé la rumeur de ce que j'ai pu entendre, hélas. Et voilà, c'est là où ça nous amène ici. Moi, j'aimerais discuter avec vous, parce que j'ai entendu des bonnes et des mauvaises choses. D'accord. Les bonnes choses me font plaisir, les mauvaises choses me déplaisent. Hein. Normal, je comprends. Je vous écoute. Évidemment. On m'a dit, disons, comme quoi... vous faisiez le business de cannabis, d'accord? Ça, nous étions plus ou moins au courant et nous en avons aussi parlé, il me semble, de ça. Effectivement. Oui. Attendez. Pas de problème. Donc, voilà. Merci Issa pour ton follow, bienvenue à toi. Comment tu vas? Ça va et toi? Merci, merci. Excusez-moi, je reçois plein de messages. Il n'y a pas de problème. Donc, je disais, nous avons entendu comme quoi vous faisiez de la de cannabis, de la weed. Ça, nous étions au courant, mais... Bien sûr. Ce qui nous a déplu, c'est que nous avons entendu comme quoi vous avez proposé ça aux messieurs les Jamaïcains. Or, nous étions mis d'accord que les Jamaïcains prenaient leur drogue chez nous. Alors, les Jamaïcains, justement, les Jamaïcains ne prendront pas de drogue chez nous, justement, parce qu'ils la prennent chez vous. Oui, bien sûr. Et nous, comme on a expliqué aux Jamaïcains, on leur a dit qu'on n'allait pas leur proposer notre business de drogue. En fait, ils nous ont dit, ouais, dans quoi vous travaillez, etc. Nous, on leur a dit la weed. En contrepartie, on leur a dit, par contre, je pense qu'on va... Enfin, c'est même pas je pense, on leur a dit qu'on n'allait pas leur proposer notre weed, car déjà, ils nous ont parlé qu'il a racheté déjà chez vous, et à un très bas prix. Et nous, le prix qu'on le vendrait ne conviendrait pas du tout, enfin, et clairement au-dessus du vôtre. Et du coup, on leur a dit, bon, on n'a rien à vous proposer pour le moment, mais peut-être qu'à l'avenir, il y aura moyen de travailler ensemble sur d'autres business. Hein, vous savez, hein, l'évolution, etc. Il y aura forcément autre chose un peu plus tard. C'est pourquoi, avec la bonne entente entre nous et les Yardies, on pourrait faire autre chose que seulement business de drogue ou je ne sais quoi. Hein. Il y aura encore plein de choses à faire, c'est que le début. Donc voilà. Mais on ne leur a pas proposé notre drogue, puisque dans tous les cas, on savait que c'était à vous qui l'a racheté, et déjà à un très bas prix, et à un prix qui nous convient. On ne pouvait pas faire plus bas que vous. Donc, on n'aura pas réellement proposé. Très bien. Vous me permettez 2 minutes, hein? Allez-y, allez-y. Oui, alors. Ça va très bien, toi. D'accord. Monsieur, bonjour. Moi, j'ai un PNJ, vient s'installer normal, frère. Parfait. Monsieur, nous sommes en discussion privée. Est-ce que vous pouvez partir, s'il vous plaît? Monsieur. Vous pouvez répéter? Oui, bien sûr. Oui. Ah, c'est le risque, hein. Bon. Oui, bien sûr, oui. Je comprends. Hein. C'est... Faites attention à vous, oui. D'accord, je m'arrange pour vous faire sortir, hein. J'ai quelques contacts là-bas. D'accord? D'accord, parfait. Bon, dès que vous avez écoulé les stocks, vous venez m'appeler. D'accord, parfait. Vous aussi.
Le PNJ, il est baisé. De partir, parce que là, on est en train de parler et vous commencez vraiment à me... D'accord, hein, je me sens espié. Ouais, je voulais pas le taper, hein, mais... Reculez, moi je vous conseille de reculer, on sait jamais. Allez-y. Allez, monsieur. Oh, je suis désolé. Aïe, pardon, c'est pas pardon. Grave, ça peut arriver. Je l'ai mérité, celle-là. Je l'ai même pas touché, hein, c'est ça le pire. Il avait vraiment pas envie de partir, lui. Ouais, bon, moi, je pense qu'il fait une bonne sieste. On se met sur le banc d'à côté, au pire. Allez. Ouais, du coup, pour en revenir à la discussion, comme je vous ai dit, nous on leur a pas proposé la drogue parce que. Bah là, c'est sûrement une erreur de communication, hein, oui, de notre part. Mais donc, pour vous dire, moi, vous achetez combien d'ailleurs chez le cartel? Alors, c'est lequel de cartel? Parce que nous. Là, vous achetez à qui? Vous achetez chez les Mexicains? Non. Ouais, ça doit être ça. Oui, les Mexicains. Je sais pas pourquoi ils se revendiquent en tant que quoi, exactement. J'avais pas trop suivi à ce moment-là, mais c'est Monsieur Ryan. Oui, il y a la police qui vient là, pour les guerres. Oula. Je les ai vus arriver vers là-bas. Attendez, je sais pas pourquoi ils tournent. Venez. Vous avez rien sur vous, hein? Non. Je suis peut-être trop proche ton bœuf, mais il n'y a rien de. Ouais, non. Ouais, il y a un ça, taxi. C'est mon ami. Ouais, c'est mon ami, c'est normal. Mais j'entends un moteur. Ouais, il y avait une voiture de police. Ah, mais. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ouais, effectivement. Je pense que nous sommes pas à l'aise, hein, ici. Bon, de toute façon, est-ce que rien, vous avez quelque chose sur vous de spécial ou pas? Non, j'ai mis mon pistolet dans. Sous mon lit tout à l'heure. Bon. Bon, nous sommes de simples citoyens en train de discuter après tout. Allez-y. Pourquoi ça court ici? Ils ont eu peur du véhicule. Ouais, je pense. Et donc? Oui. Vous les faites à combien du coup? Enfin, ils vous le font à combien plutôt, oui? Ils nous ont fait 1000 pochons pour à peu près 35 000, il me semble. Ah, donc ils vous les faites à 35. C'est ça. C'est excellent, ça. Oui, après, c'est parce que c'est le début. C'était pour nous aider. Après, à l'avenir, je pense pas que ces prix resteront fixes. Effectivement, oui. Après, une fois que nous on se fait un peu plus d'argent, je pense que les prix réaugmenteront. Ouais, ils ont tout niqué là. Je suis deg. Ouais, je regardais dans mes notes et. Ouais, d'accord. Mais oui, donc nous les vendons. Nouvelle, c'était par rapport aux Yardies. Oui, c'était ça. Mais nous sommes bien d'accord que vous avez respecté votre accord au sujet des Dominicanes. Hein. Lequel d'accord? Comme quoi, vous ne devez pas trop parler avec eux. Effectivement. Des gens qui. C'est une discussion avec eux. Vous avez une discussion avec eux? Avec les Yardies? Non, les Dominicanes. Ah, non. Aucune? Aucune. Après, ça dépend avec mon chef, faut voir avec lui. D'accord, mais de ce que tu sais. Mais mon chef, il a sûrement déjà discuté avec eux, ça c'est sûr. Mais après, d'accord. Par rapport à quoi, je sais pas, mais je sais qu'on travaille pas avec eux, ça c'est sûr. On travaille pas d'accord. Avec eux et ni pour eux d'ailleurs. Et comment va votre relation avec messieurs les Lost? Elle est ni bonne ni mauvaise. On a eu une réunion avec eux il y a peu de temps. Enfin une réunion, ils voulaient nous rencontrer, ils voulaient qu'on travaille pour eux. Vous entendez cette blague quand même? Ah, c'est une belle blague, hein? Une belle blague, effectivement. Ils arrivent pas à écouler leur stock de cocaïne. Du coup, ils sont tellement HS qu'ils proposent même, entre guillemets, à ce qu'ils sont pas censés être leurs amis, de travailler pour eux. Donc bien sûr qu'on a refusé.
mais voilà, à côté de ça, du coup, ça s'est pas très bien passé à leur rencontre parce que on voulait discuter avec leur président et au final, c'était leur petite secrétaire de service là qui parlait, et... La madame là? Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Pour discuter avec une femme, bon, entre discuter avec une femme, oui, je veux bien, mais elle manque énormément de professionnalisme, je trouve, oui, personnellement. Oui. Après, on n'est pas en guerre contre eux, on en a juste actuellement royalement rien à faire de ces Lost. Après, si par exemple, ils décident de faire quelque chose contre nous, etc., ils en assumeront les conséquences, comme n'importe qui, j'ai envie de vous dire. Mais c'est évidemment normal. Hein. Mais d'ailleurs, votre quartier, où est votre quartier? Bon, c'est pas vraiment un quartier, hein, c'est plus un bar. Oui, votre endroit... Ouais, il se trouve autour du 221, côté du Middle Park. Ah, Barcelona. D'accord. Ah, vous êtes pas très loin. Hein. Ouais, on n'est pas très loin. Après, c'est pas où est-ce qu'ils habitent exactement. Exactement, ouais, un peu au-dessus. D'accord. Mais vous entretenez des bonnes relations avec les autres? Le reste des groupes? Oui, Stoland, Suicide, Yardies, North Holland. Bah après, bon, les Yardies, oui, c'est bonne relation. Après, le reste, non, pour le moment, on fait pas trop attention, parce que la plupart des groupes, des gangs, etc., ils arrivent au bout de peu de temps à se faire énormément de problèmes entre eux, etc. Du coup, pour le moment, on les laisse un peu dans leur délire, faire ce qu'ils ont à faire et régler leurs problèmes. Et le jour, on verra d'autres gangs... assez compétent avec, on va dire, un minimum de bonne mentalité, là pourquoi pas. Mais pour le moment, il y a vraiment que les RDs avec qui on a vraiment bien discuté, quoi. D'accord. Mais écoutez, moi de mon côté, il y a aussi la mafia londonienne. Je sais pas si vous les connaissez. J'en ai pas entendu parler encore. Ah bah, c'est qu'il joue bien. Il joue bien la discrétion, alors. Hein. Effectivement. Parce que je pense que nous sommes peut-être trois organisations à les avoir entendu parler. Ouais. Donc il y a moi, les Yardies, je pense, et les East Holland. D'accord. Je pense que nous sommes ces trois-là à les avoir rencontrés. Parce que quand je parle de ça aux autres, ils ne les connaissent pas. Mais quand je parle de ça à ceux dont je vous ai cité, ils les connaissent. Il me semble qu'eux aussi font de la cocaïne. Si je ne dis pas de bêtises. Parce que disons que je les aide beaucoup. Hein. Ah, ils sont un peu sous mon aile. Alors attendez, parce que depuis tout à l'heure, je mets mon téléphone en silencieux et je reçois une tonne d'appels. J'ai juste... Oula. Vous êtes quelqu'un de beaucoup occupé? Ouais, bah en tant que taxi, il y a souvent des appels. Là, en l'occurrence, ça doit être mon ami Kimba qui me demande comment ça va. Je vais juste lui dire que tout va bien. Voilà. Comme ça, c'est fait. Parce que j'en ai marre qu'on m'appelle tous les 5 secondes. Bien sûr, oui. Allez, c'est midi. Oui, mon ami, tout va bien, d'accord? Tout va bien. Tout va bien. On discute tout simplement. Voilà. On est toujours autour, hein? Oui, ne t'inquiète pas, tout va bien. Il y a aucun problème. Tout se porte bien. Tout va bien? Oui. À tout à l'heure. À tout. C'est qui cet ami? C'est celui qui vous étiez? Oui, c'est Lexi. Elle a... Bah, en fait, je lui ai dit que j'avais un rendez-vous. Tout simplement, je lui dis d'attendre en bas et comme le temps passe un peu... C'était la madame en bas près du taxi? Oui, c'est ça. D'accord, oui. Ouais, mais non, s'inquiète rapidement, vous savez. C'est votre sœur, votre femme? Non, c'est une très très bonne amie qui travaille au Unicorn. Ah. Et bon, moi je vais d'ailleurs quitter les taxis, là. Je dépose ma lettre de démission ce soir. Ça vous a... J'ai trop donné en tant que patron. Non, c'est même pas de l'ennui. En fait, justement, j'ai beaucoup trop travaillé pour un patron qui en a royalement, on va dire, rien à faire. Et moi, ça me dérange. Et là, il y a le Unicorn qui a eu quelques soucis à cause des bandits qui s'amusent à faire des prises d'otages, etc. Au Unicorn, ça fait quitter pas mal d'employés, etc. Du coup, j'ai proposé mon aide à la patronne, qui est une très bonne amie en tant que copatron Unicorn pour Madame Lopez. Tout ça. Ouais, c'est ça. Ah bien sûr, je la connais. Bah d'accord, très bien. Bah écoutez, moi c'était pour parler de ça, mettre ça au clair, d'accord? Très bien. Si vous voulez changer de business, parce que bon, ça, le cannabis, il n'y a que les Yardies hein, qui en achètent pour l'instant.
Ouais, bah actuellement, on attend d'écouler notre stock de cannabis et après, justement, on discutera avec le président de savoir. Si vous faites de la cocaïne. Voilà, exactement. Bah, si vous faites de la cocaïne, je peux. J'y ai parlé à la mafia londonienne. Mais de ce que je sais, elle écoule ses stocks très bien parce qu'elle fait. Oui. Oui. Je réfléchis en fait à la fin de ma phrase. Oui, donc la mafia londonienne a des prix qui sont incroyables, il me semble. Mais parce que les dominicanes, ce sont les seuls fournisseurs, d'accord ? Très bien. Ils le vendent à 80 ou 90 dollars. C'est d'accord. Énorme. Alors qu'ils l'achètent 50. Ah oui. Et en fait, ils forcent tout le monde à les acheter et vous aussi, vous forcez. Et derrière, il y a eu l'opposé des Dominicains, ce sont la mafia londonienne. C'est d'ailleurs pour ça que je les protège, parce qu'ils servent de balance contre les Dominicains. Et eux, il me semble qu'ils les font à 70 ou 75. Donc entre 70 et 90, moi perso, j'ai déjà choisi qui je vais acheter. Hein. Mais bon, je n'achète pas ce genre de trucs. Mais donc le problème est que la plupart des gangs ne veulent pas acheter chez la mafia londonienne, car s'ils l'achètent, les Dominicains viendront les faire des représailles. Ouais, je comprends. Donc on va essayer de changer les choses, nous, de notre côté. Puis, si vous n'arrivez pas à vendre votre stock, moi je peux le racheter, évidemment, avec un prix beaucoup... Ouais. Voilà, un prix... vous savez, vous n'arrivez pas à écouler vos stocks, comme les magasins de vêtements. Hein. Ouais, je n'arrive pas à écouler le fond. Mais voilà, on peut très bien faire ça. Même si, à vrai dire, c'est pas dans mon intérêt. Parce que moi, je les achète très peu cher chez les Mexicains. Donc, ouais. À moins que vous me le fassiez au même prix, et c'est pas dans votre intérêt non plus. Ouais, je pense qu'à la limite, vous l'achetez à combien, vous l'avez dit ? La weed. Oui. La weed, c'était 35. À peu près. Vous les achetez pour 40 à la limite, comme ça vous faites comme ouais, c'est ça. Voilà, ça, on en discutera. Ouais. Oh, c'est vraiment par pure disons générosité. Et là-dessus, si vous avez envie de changer de business et faire de la coca et que vous n'avez pas envie de tomber sur le vassalage des Dominicains, moi je peux vous conseiller leur contrepoids qui lui est la mafia londonienne. D'accord. Très bien. Je compte sur vous pour en parler à votre chef. Vous pouvez compter sur moi. Et puis vous me tiendrez au courant, d'accord ? Très bien, on fait comme ça. Passez une agréable soirée. Également. Journée. Portez-vous bien. Ouais. À vous aussi. Également, merci. Alors 30 secondes. Ah. Oh. Voilà. Désolé, j'étais dans mes pensées, je regardais les étoiles. Ouais. Eh, dis-moi, je fais un test, un truc, tu me dis si t'entends bien. Vas-y. Moi, j'aimerais discuter avec vous. Est-ce que tu entends la conversation ? J'ai entendu des bonnes et des mauvaises choses. Ouais. D'accord. Bonnes choses me font plaisir. Parfait. L'enregistreur vocal fonctionne très bien, c'est déjà pas mal. Ça s'est bien passé ? Ouais, ça va. Ça va. Je m'attendais à plus de problèmes. Ouais. Pourquoi je t'appelle Monsieur Kowalski ? Qu'est-ce qu'ils font ici ? Il est dedans depuis tout à l'heure. Il fallait rester plus loin, vous étiez beaucoup trop proche. À plusieurs reprises, il nous a vus. Ils vous ont vu ? Ils vous ont vu, vous, ouais. Mince. Essayez de reprendre la route, on se rejoint au LCPJ. Très bien. Et tout va bien. Ça s'est passé ?
Ouais, ça s'est bien passé. Super. Parfait. Je crois qu'ils viennent de mettre dans une sacrée merde. De quoi ? Ces trous du cul, j'étais juste au-dessus. Ils ont pris leur véhicule, ils se sont pointés sur le parc. Les flics ? Ouais. Non mais ils sont trop cons. Et là, à tout moment, l'Italien, il est encore en haut et il m'a vu avec une voiture de flic. Ah oh, putain. Mais les flics, ils sont pas discrets. Le mec, il rentre dans l'armurerie et il gueule à Alexis Kowalski. Puis je m'appelle pas du tout comme ça. Attends, c'est bah non, mais il est con, il est con. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Non mais ils se sont trop fait remarquer. Ah là 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 là. C'est pas possible. Ils sont vraiment pas discrets. Prochaine non, fois, pas du je tout. Préfère crever. Ah bah non, quand même pas. D'une main dans la tête du part du mec à qui j'ai eu le rendez-vous que de crever à cause d'un flic qui arrive et qui fait de la merde. Mais grave. Apparemment, ils ont fait le tour du parc. Il a parlé d'hélicoptère, je crois, non ? Oula, alors là, c'est par contre, il y a eu vraiment un hélicoptère. Parce que... il avait dit à un certain moment, vous voyez quoi d'en haut, je sais pas quoi. À moins que j'ai mal compris, je sais pas. S'ils ont sorti un hélicoptère pour moi, je me demande qui je suis maintenant, autant mettre gouverneur. Je te jure. Et moi, la reine de l'Angleterre. Ouais, clairement, je te jure. Bon, du coup, il est mort ou il est pas mort ? Il était non, momifié ? Il est pas mort. Bah, il s'est pris 3 balles, mais il était en réanimation, etc. Et là, il vient tout juste de ressortir. Ah, ok. Mais bon, moi, on m'avait confirmé sa mort. C'était bien ça qui m'inquiétait. Ouais, ouais, c'est sûr. Ça va, moi, il m'a pas vu. Si, il savait que t'étais là, je l'avais prévenu, mais j'ai dit que c'était une amie qui... avec qui j'étais. Ah, ok. Ouais, ouais, ouais. Je vais pas garer la voiture ici. Attends, oh merde. Aïe. Oh putain. Oh non, mais dis pas que tu saignes, s'il te plaît, non. Lexouille. Lexouille, ça va? Désolé, tu veux un bisou magique? Non, c'est bon, j'ai cassé ta portière. Oui, je sais, mais bon, c'est pas grave, il y a plus la climatisation dans ce véhicule dans tous les cas, ça va. Ok. Mais c'est de ma faute, je descends tout le temps avant qu'on soit garé. Mais oui, mais moi, c'est pareil, les gens, ils savent pas si si je m'arrête bien ou si je repars, et du coup, il y a tout le monde qui se prend la portière avec moi. Mais moi, c'est tout le temps, t'inquiète, ça va, ça va. Ah, t'es sûr? Ça va. Ouais, t'inquiète. Ok, sans l'hôpital. Allez, on va leur passer un savon à eux qui savent pas bosser. Ouais. Quel manque de professionnalisme. Clairement. Oh non. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah merde. J'ai rampé. Tu vis en mode discrétion. Ouais, grave. Toc toc toc. Est-ce que quelqu'un de LCPD ? Qui est là ? Moi je pense qu'ils vont arriver. Maman, papa. Vu leur manque de compétences, il y a moyen qu'ils ont fait un accident. Ouais, ou qu'ils ne retrouvent plus leur bureau. Ouais, c'est possible. Enfin, aussi. Là où ils bossent, là. Ils ont failli tout foirer. Mais carrément, le mec il fait la ronde. Il passe devant la voiture, du coup je descends, je me suis dit il y a peut-être eu un problème entre temps et que je le sais pas. Ah ben là il se barre et il rentre dans le truc à côté. Dès que je les ai vus, j'ai appelé le policier et je lui ai dit, j'ai fait comme si c'était toi que j'avais au téléphone, j'ai fait uh-huh. Oui Lexi, t'inquiète pas, tout va bien, je suis simplement en train de discuter, tout va bien, tout est bon. L'argent il comprenait rien, il disait ouais tout va bien, non mais est-ce qu'il y a un souci, on est juste à côté. Non mais... tout va bien. Oh là là là.
ok, les super-héros. De base, j'avais juste dit, si je dis ok, c'est que tout est bon. Là, j'ai même fait une phrase. Tout va bien. Il faut qu'il pose des questions. Mais je suis encore avec lui, en fait. Je peux pas trop parler, tu vois. Non, mais c'est trop, là. C'est trop. Je vais bosser à leur place. Ouais, j'avoue. Tu veux pas te faire recruter au LCPD? Bah, avec tout ce que je consomme... C'est pas faisable, hein, je pense pas. Je serais plutôt derrière les barreaux qu'en train de bosser. Ouais, j'avoue, c'est clair. Ben oui. Désolé, je baille un peu. Ouais, t'inquiète. Je vais appeler l'agent là. Lui dire de m'allier son boule. Ah, j'avais pas vu ton message, désolé. Oh non, t'inquiète, je me suis dit, s'il répond pas, c'est que tout est bon. J'aime bien ton maillot. C'est mon pyjama. Hey, CBD, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Comment vous dites bonjour, vous? Bonjour. Oui, ah, voilà, là, il y a plus de charisme, là, on est d'accord. Ouais, du coup, je vous attends, je suis au poste de police. Bah, on va arriver. Très bien. Bah, de suite. À tout de suite. Non, bah, attends. Ils sont encore sur place ? Je sais pas, il m'a dit on va arriver. Je l'appelle, il me dit SBD, bonjour. Ok, ils ont l'air plus défoncés que moi. Il y a moyen. La dernière fois, il m'a demandé si je vendais du hashish. Ah. Carrément. Normal. J'étais simplement au Middle Park, assis sur un banc avec un ami. Non mais ils sont chauds, la dernière fois je me suis fait arrêter, bah le jour où j'ai acheté ma petite voiture trop mignonne. Ouais. Deux flics qui s'arrêtent, il fait ouais sur le bas-côté. Et je me mets sur le bas-côté, il y en a un, il fait ouais on te laisse repartir si tu me donnes ton numéro de téléphone, on va préparer un date et tout. Je dis ok, alors laisse tomber, vas-y casse-toi. Ils peuvent toujours rêver. Ouais. Messieurs les agents, je vous tire les oreilles, je vous tire les oreilles. Monsieur l'agent. Vous êtes pas discret, hein, franchement. C'est pas vraiment. Moi qui conduisais, c'était mon collègue. Vous êtes... On était assis sur un banc en hauteur, vous avez défoncé le parc, normal. Mais c'est mon collègue qui conduisait. Bah c'est pas discret, franchement. Bah je l'ai dit, il faut pas lier. Ouais, alors ça s'est passé comment? Bah ça va, du coup ça s'est bien passé. En fait, cette personne a eu des soucis, s'est pris 3 balles dans le corps, mais il était en réanimation ces 2 derniers jours, il a réussi à s'en sortir. Mais bon, moi tout le monde m'a fait croire qu'il était mort, du coup c'était compliqué. Et ces personnes-là ont fait un peu croire à toute la ville que cette personne était morte. Eh les gars, la discrétion, vous connaissez quand vous faites de la patte patrouille? C'est qui conduisait? C'était qui le conducteur? C'est lui? Toi, tes oreilles, non. Je tire les oreilles, Aïe, je ne vous permets pas. Oula, oula. Tu me touches pas. Entre un tirage d'oreille et un coup de poing, il y a une différence quand même. Hein. Ah, voilà, monsieur, putain, vous êtes violent. C'est vrai, j'ai des gros doigts, désolé, j'ai des gros doigts, c'est vrai. Que ça. Mais c'est qui a déclaré cette soi-disant personne morte? J'ai pas suivi. Ah, oh, pas mal de personnes. Vous avez des noms? Excusez-moi, est-ce que la personne en question, ça serait Andro De La Rosa? La personne en question avec qui j'étais? Oui. Non, pas du tout. Non, je ne pense pas. Il s'appelle Vito, il me semble. Bah oui, mais il était en réanimation à l'hôpital. Non, il n'était pas mort. Il avait eu des soucis avec des gens. Il s'est fait tirer dessus. Tout le tralala. Mais voilà, je sais pas pourquoi. En fait, il m'a principalement appelé pour discuter avec lui. Bah, par rapport à ses soucis, savoir si je connaissais des gens. Parce que ça en tant que. Excusez-moi, est-ce qu'il vous a donné son numéro personnel? Ou son numéro jetable? C'est possible que ce soit un numéro jetable. Parce que c'est un numéro privé en fait. D'accord. Mais ça va, tout va bien. En fait, je vous ai quand même averti parce que moi, une personne qui est normalement identifiée mort et par le nombre de personnes dont j'en ai entendu parler, etc., ça me rassurait pas trop que cette personne me contacte pour avoir un rendez-vous avec moi. Donc c'est vrai qu'à tout moment, il aurait pu se passer quelque chose. Bon, heureusement qu'il s'est rien passé. En tout cas, je suis désolé de vous avoir fait déplacer, mais
Non, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, non, moi, je on est là pour ça. Après, ça change rien vu la discussion qu'ils ont pas eu. Fermez-la, madame, fermez-la. Il aurait fallu que vous restiez au poste de police, hein. Tu la fermes, hein, tu arrêtes. Excusez, c'est 80, pas, c'est un comportement... C'est pas vous qui m'avez demandé un numéro de téléphone quand vous m'avez arrêté? De quoi? Ah, bah, c'est votre collègue, alors. Ouais. Personne, je pense que c'est 81. Non, c'est 81. Non, parce qu'il y a vos collègues qui arrêtent des gens et qui leur demandent des numéros de téléphone. C'est ou 100 dollars en échange. 100 dollars Ah, mais ça, c'est. C'est un coup du capitaine. Ah, non, ouais, mais ouais, moi, j'en ai rien à foutre, je poucave. Ouais, ouais, ah bah, allez-y, je poucave. On me les trouve, ces personnes-là, on me les trouve. C'est bien. Et vous pensez que vous pouvez me recruter? Je serais meilleur que vous, je pense. Bah écoutez, actuellement, bah, va falloir passer quand il y a des recrutements, hein, mademoiselle. Et même si je consomme mes joints, c'est... Ah, non, mais c'est ça, c'est mort, hein, après moi. Ah, ok. C'est en service. Hein. Moi, je fais mon train de service, mais... Voilà. Ah, ok, je vous donnerai après, alors. Non, je suis en service, là, madame. Ah, parce qu'il a dit qu'il fume entre deux services. Et oui, hein? Mais là, je suis en service, hein. Alors, on bannit les gens qui fument, c'est ce que vous m'avez dit. Ferme-la! Ah, mais moi, je balance, je l'ai dit. Écoute, mademoiselle, hein, tu as fini en jaune, toi, hein, je le sens. Hein. En jaune? En jaune. En jaune. Voilà. En jaune. Bon, en non, jaune et noir. Ouais. Je pense que c'était il y a 5 minutes. Hein. Mais un avis de recherche pour le mec justement qui a fait le drift. Il est toujours pas là pour son recensement. Ah. Bon, il va arriver tranquillou. Le les mec gars. Qui a fait le drift, j'espère que j'ai pas d'avis de recherche sur moi au moins. Non. Non, justement. Il y a non, pas de recherche sur moi non plus. Non, mais c'est Zachary. C'est quoi votre nom et prénom, la machine à café, madame. Lexi Kowalski. Oh merde, Lexi, c'est pas grave. Je vais Wolfsky, voler une machine à café. Lexi, pas Lexi. De café. L'eau, là-bas. Lexi, vraiment, t'es trop... Alors, Lexi Kowalski. Ça, faut la faire pour aujourd'hui. Alors, madame Lexi Kowalski est actuellement en recherche pour porte d'armes illégales, coup de feu sur agent. Putain, alors... Oh, ça... merde. Je suis dans la merde, hein, moi, je peux ah, vous dire. Ah ouais. Messieurs les agents, est-ce que vous connaisseriez par hasard un certain Meredith Calhoun? Est-ce que ça vous parle? Une fois ou deux, mais sans plus. D'accord. Et un Reut West. Même nom de famille que moi, mais il fait pas du tout partie de ma famille. Reut West. Aucun des deux. Négatif. Le premier. D'accord. Très bien. Déjà entendu parler, pardon. Oh la vache. C'est potentiellement deux personnes qui m'auraient kidnappé, et même l'un des deux qui aurait fait le braquage de bijouterie il y a quelques jours. Il y a quelques... Ouais, bah même pas quelques jours, je crois qu'il y a deux jours. Oui, ouais, il y a deux jours, ouais. Cette personne... disons que le véhicule que vous avez poursuivi... ce sont mes amis à moi qui se sont fait prendre en otage, et des noms sont ressortis pendant cette prise d'otage, et dont le nom Meredith Calhoun, qui potentiellement était présent lors du coup forcément de ce braquage de bijouterie. Ah mais oui, on avait arrêté un canon en plus, hein. C'est... Ah c'est peut-être lui, à part s'il a un frère. Ok. Ah non, mais Canon, oui, de ce qui me semble, c'est qu'on l'a arrêté une première fois sur un braquage ou quoi pour complicité, et le deuxième qu'il y a eu hier, il a été, et lui, il était otage avec son frère. Oui, le braqueur braqué, hein, c'est assez drôle comme situation. Et ouais, exactement, ça existe encore, de nos jours, ce genre de comportement-là. Juste déjà de braquer, que les gens ils peuvent pas trouver un travail, déposer un putain de CV à des patrons, faut que ça c'est braque. C'est clair. Non mais n'importe clair, quoi, la génération d'aujourd'hui, c'est vraiment n'importe quoi. Les gens ils pètent plus haut que leur cul en ce moment. Mais nous sommes là, vous inquiétez pas, hein, nous sommes là pour faire une île là. Effectivement, je vois ça, c'est oh la vache. Très impressionnant. On a un 10-60, on va devoir vous laisser. Allez, y a aucun problème. On y va. Faites attention à vous, messieurs. Ouais, et soyez moins discrets. Ouais, essayez d'être pas con. C'est ça. Il y en a un, il a pète le casque là. Ouais, celui-là qui parle comme ça là. Vrai, j'aime trop en vrai. Ouais, un peu d'originalité, bordel. C'est grand. Ah là là, tu veux que je te dépose quelque part avant la petite tempête? T'as vu ce qui vient de se passer? Ah ouais, non mais. Let's go. Quel manque de professionnalisme, ouais, grave.
N'importe quoi. On va l'éterner, moi je vous le dis. Non mais... J'aimerais bien réparer ma connerie à l'unicorne. Attends, on va mettre la portière dans le coffre. J'ai un problème avec ma voiture, du coup ils disent que c'est pas à moi. Ah merde, je vais te déposer à l'unicorne. Allez, tu m'aides à la porter? Oui, bien sûr. 1, 2, 3. Oh, oui. Vite, oh, c'est bon, voilà. C'est posé. Attends, ferme les doigts, hein. Ferme pas le coffre. Ouais. Ferme les doigts. Oui, oui. Attends. Allez. Et voilà, c'est dans le coffre. C'est good. Bon, si t'as un peu froid pendant la route, c'est de ta faute. Tu veux que je te donne l'argent pour réparer? Non, 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 t'en fais pas. T'es sûr? Non, le mécano du taxi va s'en charger tout seul. Ah, ok. Ah, oh, oui, super. C'est un grand garçon. Ah oh, oui, bah... Regarde à quel point je connais cette ville par cœur. Sans GPS, je t'amène au unicorn. Ah ouais, non, mais moi, il me faut toujours le GPS. Hein. Moi, j'essaye de faire 100 à chaque truc maintenant. C'est oui, t'as raison. Ça va, ça s'est pas trop mal passé. Bon, j'espère que tu t'es pas trop ennuyé en attendant que je redescende. Oh, non, non, non. J'étais sur mon téléphone, je surveillais un peu. J'ai fait une toute petite ronde. D'accord. Bon, ça va alors. T'es à peine discret, eux. Ils arrivent à l'armurerie normale. De quoi? Je dis à peine discret, ces policiers là, qu'ils arrivent à l'armurerie normale. Ah ouais, normale. Non, mais trop. Trop con, c'est pas possible. Ah vraiment plus con, je vois pas. Ouais, désolé, on prend un petit contresens, j'espère que t'as pas trop peur. Non, vas-y. Toi, du coup, pour la course, ça te fera un total en tout de 14 853 $. Ah la vache, j'ai même pas ça. Non, j'rigole, même moi j'ai pas ça. Et il galère un peu le taxi des fois. De quoi? Il galère un peu le taxi des fois. Ouais, je vois ça. Je sais pas si vous avez remarqué le flic qui parle comme ça là. C'est un gros streamer lui, il est sur Flashback aussi. J'ai reconnu sa voix. Ça va, c'est pas trop compliqué de travailler au unicorn. Non, il y a quelques jours, j'ai recadré des mecs qui ont eu un manque de respect. Ouais. Et ils sont normal. Partis du coup. D'accord. Mais après, ça a été. Oh non, mais pas du tout. Après, moi, je les vire, hein. M'en fous. Ouais, ouais, c'est ce qu'il faut. Là, ça va être cadré, là, après. Bah, c'est ça. Le mec, il rentre, il va vers la pole dance et il dit « Bon, alors, elles sont où, les salopes, ici ?» Oh, non, vraiment. Il a osé. Ouais, ouais, je lui dis qui c'est qui manque de respect comme ça. Il fait « Bah, personne » et tout, puis je me suis embrouillé avec eux. Et il y a un des nouveaux vendeurs, barman, que Ozan a engagé. Il m'a dit « Laisse tomber, Lexi. C'est rien de grave. » Mais comme j'ai dit, faut pas déconner non plus. Bah, oui. Sans GPS, je suis un boss. Bravo, ouais, grave. Pour moi, ça va le taxi, ça m'aurait permis de connaître la ville. Ouais, c'est sûr. Et voilà, Madame Lexi, nous sommes arrivés à destination, à bon port. J'espère que notre compagnie d'Auton Capco Taxi vous a plu. Mais carrément. Et bah, profitez-en, parce que c'est potentiellement la dernière fois. Après, je me casse de cette société de merde. Ah, merde. Voilà. Ça pouvait pas mieux finir. Bon, bah moi je vais rentrer au taxi parce qu'il va y avoir une tempête dans pas très longtemps là, le brouillard il s'installe. Ouais, y a pas de soucis, moi je vais. Je vais me mettre à l'abri. Je vais me mettre ici moi. Ouais. Bah allez, à bon, plus tard. Bon bah Jack, à plus tard et puis merci ouais. Beaucoup. Hein. Ouais, je t'en prie, c'est normal. Voilà, prie. Et fais attention à toi, s'il y a un problème, tu m'appelles. Ouais, à toi aussi, des bisous. Ouais, t'inquiète, vas-y. Ah là là là, t'es moche à ce... Ace. Ace, il est là, Ace?
C'est qui Bah Ace, je vois pas son pseudo. Normalement, je l'aurais reconnu. Il est sur le live. Merde, c'est derrière. Ah, il est plus. Ah, il était sur le live, j'avais pas fait attention. Eh hey Marlo, dis-moi, on est d'accord, c'est RP. J'ai activé et après à la fin désactivé l'enregistreur vocal. Et du coup, vous, pour vous faire écouter la conversation, si vous voulez en RP, eh ben, j'ai l'enregistreur vocal où je peux vous faire entendre toute la conversation directement. De toute façon, après... un ticket. Oh la flemme. La flemme, frère. Et de toute façon, les choses, ils ont été faites de façon RP, hein. En tous les cas, il m'a dit de répéter au club, hein. Donc autant faire écouter l'enregistrement un petit peu. Bon, on va voir comment on va faire. Après, il y a 20 minutes d'enregistrement, donc un peu la flemme aussi de vous faire écouter ça. Bah ouais, bah si, dis-moi oui. Dis-moi oui, frère. T'es qui toi? Toi, t'es le staff. Merde. Tu fais partie du staff, mon pote. Non, je rigole. T'es un futur staff. Marlo, c'est un futur staff. Marlo, il va être staff. Bah oui, bien sûr. T'es le sang, quoique. Je suis sûr le patron il est dans le bureau. Même pas. Genre il est pas dans le bureau. Eh, il y a eu du monde là sur le live pendant la conversation avec le don de Vito là. Merci à vous les refs. Tac. Attendez, je vais guetter un petit truc vite fait. Ok. Tout le monde kiffe Don Vito. Ah ouais. Il est connu Don Vito. Il est connu Don Vito. Bon, au final, je devais faire taxi. On se retrouve à faire des scènes. Bon, c'est pas plus mal, hein. Bon, on va attendre le reboot. On se retrouve à faire des scènes. Ah là 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 là, je vous jure. Je vous jure. Où va le monde? C'est pas la fin de Zachary, c'est juste le taxi. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'une entreprise, les gars? En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout d'une entreprise? Lui, Zachary, c'est que le début encore. Ce n'est que le début. J'avoue, il est beau le femme taxi. Farm, t'as marqué, j'avais pas vu. Ok. Ouais, bah là, oui, non, j'ai pas farm. J'avais mieux à faire.
Ah là là, coup de barre. Faut ouvrir les yeux, monsieur. Comment ça? Mes yeux sont bien ouverts, madame. Mes yeux sont bien ouverts. J'ai galère. Ah oui, ouais, ouais, j'avoue. J'avoue que je galère un peu. Eh, j'ai fait une course de 39$, je l'ai pas noté, je crois. Ouais, je l'avais pas noté. Le reboot au moment du nouvel arc de Zachary. Comment ça? Il y a pas de nouvel arc pour le moment, les gars. C'est pas pour tout de suite, le nouvel arc. Tac. Bonjour, tu acceptes les dons? Bah bien sûr, DXR, quelle question. Si tu peux, si tu te mets pas en galère, bah bien sûr. Bah tu vas changer de métier. Ouais, bon, c'est pas un... C'est pas... Y a pas encore le point d'exclamation don BG, c'est sur... tu vas dans la bio. La bio de mon Twitch. Et tu es redirigé vers un lien Stream Element, Streamlabs, je sais pas quoi, PayPal. J'ai pas encore activé ce truc là. Faudrait que je le fasse d'ailleurs au cas où, on ne sait jamais. Sait-on jamais. Et bienvenue à toi BG. Bah c'est bon, le reboot il a été fait normalement. Mais croyez-moi, l'unicorne, ouais, j'avoue que c'est le début d'un nouvel arc en vrai. Parce qu'il va se passer pas mal de bonnes choses. C'est bon, les gars. On se reconnecte une dernière heure histoire de faire un peu le taxi. Quand même. Et puis après, on va décaler. On se retrouvera ce soir si j'ai pas de rage dedans, les gars. Normalement, je devrais pas avoir mal aux dents ce soir. Là, je sens que ça va, alors que hier, à cette heure-ci, j'avais déjà très mal. J'avais déjà très mal. Ah là là, j'espère que vous allez bien, vous, en tout cas, les frères. Faut profiter des derniers moments d'être taxi, ouais. Ouais, 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 se faire un peu de thunes. Ça va être... Mais là, avec le unicorn, ça va être mieux. Ça va être mieux parce qu'on est vraiment avec des bonnes personnes. Avec Océane et tous les bons délires et tout. Et avec Mélo. Ça va être ouf au unicorn. Ça va être ouf. Puis l'unicorn, ça va pas simplement être un club de striptease, ça va être une vraie boîte de nuit. Ça a changé. Ça va être propre. Ouais, 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 Roman. Roman.
Oula. Ah là là. C'est toi la folle. C'est toi la folle. J'accepte combien en don, je sais pas frérot, ça dépend de toi. De toute façon, si tu as l'application, si tu vas sur le lien, tu as... Je crois que c'est de 1 à 10 euros maximum ou 50, je sais plus du tout. Je sais plus du tout frérot. Ça fait longtemps que j'ai pas cliqué sur ce lien. J'espère qu'il est encore actif, je sais même pas. Attends, je regarde. Tac. Le mec, c'est Mr Beast. À mort. Tu vas sur ma chaîne Twitch. Sur ma bio. Dans la bio, tu as un lien. Tu as Donate. C'est ça, ça s'appelle Donate. Tu cliques dessus et ça te redirige vers mon, en gros, mon truc PayPal. Et là, c'est toi qui choisis, le montant en fait. Ouais, c'est ça. Tu l'as pas? Si, normalement tu l'as. Normalement tu l'as. Regarde, je t'envoie le lien sur le Discord, Tac. Voilà, c'est ce lien-là. Et si tu veux faire plus, BG, bah hésite pas, hein, je t'envoie directement mon adresse mail PayPal. Hein. Ah merde, TeamSpeak. Tac. Se connecter. Allez, on va se faire des thunes. Comme ça, ce soir, on va avoir un salaire, un minimum de salaire. Parce que là, je suis à 300$. C'est pas beaucoup. J'aimerais bien taper au moins les 2000 pour être tranquille. Bon, on va pas faire 2000 maintenant, je pense pas. À part s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un taxi et qui... Et qui est pété de thunes. Tac. On va faire une petite annonce sur le Twittos. Ah ouais, directement. Ok. Bah tu copies-colles ça. Ah ouais, par contre, attends. Je vais regarder si c'est la bonne. Parce qu'en fait, j'ai un ancien PayPal qui était pour Twitch. On m'avait fait 40-50 euros de dons. Ouais, c'est celui-là. Et j'avais perdu le mot de passe. Le don marche pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Bah t'as le lien directement du PayPal. Préviens-moi si t'as réellement fait quelque chose, parce que là, si t'as le lien du PayPal directement, je suis pas sûr qu'on aura la notif. Peut-être sur mon tel, je vais l'avoir. Mon tel, il est en face. Twitter. Faut que je fasse un point d'exclamation don, j'avoue, au cas où, ça peut aider. Ouais, j'avais le seum en vrai. J'avais le seum, frère. Je vais voir mes parents, je fais à mon père, ouais papa, il m'a fait 50 euros de don et tout, tranquille. Et au final, j'avais pas retrouvé le mot de passe. Et le problème, c'est que pour récupérer le mot de passe, c'était sur mon numéro de téléphone. Sauf que c'était un ancien numéro, du coup impossible de récupérer le mot de passe. Bonjour, besoin d'un taxi de qualité pour kiffer au trajet Zachary West. Profitez, c'est
Vous êtes combien de connectés? Là, on doit être 40, je crois. Là, on est 16h, ouais, on doit être 40. Profitez. Voilà. Ok. Là, 32. Ok. Ça arrive. Bah vas-y, préviens-moi alors si tu fais un truc. Mais vous mettez pas en galère, les gars. Si vous pouvez pas, si vous pouvez pas vous le permettre, ne faites pas de dons. Hein. Juste déjà votre présence, c'est énorme. Je le dis au cas où. Allez, on va faire une petite mission PNJ. Faut que j'apprenne à conduire normalement, moi. Je me suis trop cru dans un free roam. Ah, c'est bon. J'ai cru que j'avais crash. Ouais, c'est le même sur 5M, mais je sais pas si le serveur il est affiché sur 5M quand t'es pas whitelist. Là, tout à l'heure, on était 40, 45 avant le reboot. Bah là, il y a le reboot, donc forcément, il y a moins de personnes du coup. Le temps qu'ils se reconnectent. Yeah! Ça fait mal. J'ai mal. Oh bordel. Oh, ma tête, elle a tapé contre le volant. Aïe. Oh bordel de merde, c'est quoi ces routes? J'ai déglingué le taxi. Dire un vagos. Aïe, oh là, amigos. Il y a mal partout. Il me sent pas bien. Il me sent pas bien du tout. Allez-y, grimpez, madame. Merci aux clients fidèles. Il y a quelqu'un là-bas? Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien et vous? Ouais, ça va très bien, merci, vous travaillez ici? Non, on n'a rien demandé, hein. On attend... En fait, ah, d'accord. C'est ma voiture, mais on attend... Ah d'accord. Patronne. Ah d'accord, très bien. Vous venez de commencer en tant que taxi? Comment? Vous venez d'être embauché en tant que taxi? En tant que taxi? Ah non, je quitte le taxi ce soir, je vais être copatron Unicorn justement dans... Ah ouais, c'est pas mal. Oui, le taxi, j'en ai marre. On travaillera ensemble, quoi. Et, peut-être, c'est possible. Bon allez, faites attention à vous, on vous souhaite une excellente journée. Vous savez où il y a un peu de monde là? Moi je vais souvent vers le LCPD là pour discuter avec des gens. Après voilà. Vous êtes sûr que la patronne elle va arriver? Parce que moi j'en suis pas si sûr. Non, moi j'en suis pas si sûr aussi, mais. Non. Elle sera là à partir de ce soir. Il me semble. Ouais. Donc voilà. Vous voulez peut-être que je vous dépose quelque part?
Ouais, à l'hôpital, écoutez. Ouais, bah laissez grimper. Mais pourquoi elle crie celle-là dedans? Ouais, peut-être vous la voyez pas, mais c'est une dame qui est dedans. Alors, à l'hôpital. Très bien. Ah, mais elle est descendue. Bon. Ah, mais oui, mais vous êtes parti derrière, vous avez fait descendre ma cliente. Quoi? Il y avait une cliente derrière? Ouais, il y avait une cliente. Mais non. Si, mais il n'y a que moi qui, malheureusement, ah avec ouais, ma longue vue, je l'avoue. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, pour ce qu'elle rapporte. Et vous, quel est votre nom? Moi, je m'appelle... Appelez-moi Lange. Lange? Ouais. D'accord. C'est Dario. Enchanté. Mais vous cherchez à cacher votre nom, monsieur Lange? Non, c'est juste... Enfin, je dis ça simplement parce que... C'est pas mon prénom à n'importe c'est qui. Quelqu'un de réservé. Ouais, mais c'est vous qui voulez travailler au Unicorn, c'est ça? Ouais. Bah ouais, mais vous êtes au courant que j'aurai votre nom d'ici deux. Arrêtez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Y'a quoi sur Twitter? Twitter. Ah ouais, vas-y, attends, je vais l'appeler en même temps. Bah du coup, vous pouvez revenir au Unicorn, s'il vous plaît? Très bien. Est-ce que vous pouvez couper votre radio, s'il vous plaît, monsieur? Normalement, elle est pas activée. Là, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. Et du coup, vous êtes, vous? Zachary West. Je connais le futur copatron Unicorn. D'accord. Ah, sachez que Lexi qui ouvre le Unicorn, c'est pas la patronne. Ouais, t'inquiète, je sais. Ouais. Merci Zoro pour ton follow. Bienvenue à toi. Ouais, dis-moi, t'étais au Unicorn là, tu viens de l'ouvrir. Ouais, j'arrive pas à prendre mon boulot là, mon service. Ok. Vas-y, j'arrive là. Je suis là dans un bateau. Merci aux clients fidèles. En fait, Dario. Merde. Attends, ouais, c'est je suis trompé de route. Ouais. Et voici. Merci, monsieur. Je vous en prie. Merci. Bon. Ah, allez voir Lexi. Bah, rien du tout, hein, au final, pour le peu de route qu'on a fait. Bon, on va attendre que les gens ils nous appellent, parce que faire les courses PNJ, ça rapporte que dalle. On va juste perdre notre temps. Je crois qu'il n'est pas encore arrivé. Hein. Merci aux clients fidèles. Au relaxouille. Hola. Oula, il y a du monde. Salut, Lexi. Salut. Salut. Je vais te prendre un cocktail sans alcool, Lexi. Vas-y. Du coup, je te fais payer ou pas, vu que... Ouais, fais-le payer. Ah. Non, mais tu peux me faire payer. Non, t'es... Ok. Lui, il dit, fais-le payer. Attends, demain, quand je serai copatron, lui, il va voir son salaire. Non, c'était une petite blague, Dis-moi, Lexi, j'arrive pas à prendre mon service, là. Tu peux m'aider un peu? J'arrive, je sers et j'arrive. Ok, vas-y. Par contre, je te le pose sur le comptoir, parce qu'après, j'arrête pas de picoler. Ah merde, bah vas-y, pas de problème. Voilà, j'arrive. Merci. Bien. Mais attends, j'ai déjà vu ce perso. Était avec iPromix, celui... Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais fait son recrutement, tout ça. Je
Je crois qu'elle a peut-être activé la musique, mais on l'entend pas parce qu'on vient de rentrer. Je réfléchis, est-ce que je farm quand même un peu ou pas? Les gens quand même. Ah ouais, ouais, t'as raison. Je peux les servir. Bah voilà. Ouais, ok. Bah écoute. Vas-y, je te laisse faire ton premier client. Ah, là-bas. Ça fait déjà 30 clients que j'ai fait. Ah et... merde. Alexis. Ouais. De la ville. Le... À toi de choisir. Ouais, là, parce, y a que... Ça va quoi. Ouais, ça va quoi. Parce que j'en sais rien. Est-ce que je fais des courses taxi pour un citoyen ou pas? Je sais pas, je réfléchis depuis tout à l'heure là si je fais ça ou pas là avant de quitter. Ça va ou quoi Zachary Harley? Alors là, bonne question hein. Bah je sais pas là, j'arrive pas à me décider. Après t'es quand même payé? Attends, Harley, enfin Alexis. $20. Ah bah fait. Ouais Ryan. Désolé de vous couper hein. Il y a, comment ça s'appelle, un Khel là, il a été recruté, il sait pas comment prendre ce service, tu peux lui expliquer? Non, bah, mais je vais lui expliquer, mais en fait, la dame, au lieu d'être bleue, elle reste ouais, blanche. C'est blanc en fait. Bah, heureusement qu'elle reste blanche pour oui, devenir mais... bleue. Ah, j'ai dit que c'est bah, en vrai, non, bah, non. Compliqué. Hein. Après, il y a peut-être un truc qui t'es n'a pas fonctionné. T'es sûr t'as le badge, Khel? Bah ouais, c'est ça, je crois que je l'ai plus en fait. Mais hier, j'étais hein, hier. Si ça se trouve, il a voulu t'as pas fait un truc et boire entre temps. Ça, si, j'ai fait boire, ouais. Bah voilà. Bah t'es con aussi, bah oui, mais non, t'es vraiment. Et ça, con, tu peux pas faire ça. Ah bah voilà, moi je savais pas ça. J'ai la haine. Et du coup, il faut faire quoi? Il faut le virer pour le recruter? C'est un travail, pas deux. Non, on va récupérer ton badge dans le bureau là. Ok, je vais récupérer. Merci, patron, merci. Pardon, l'ex. Je suis plutôt patron, moi. Je suis plutôt patron. Ah, ex-patron. Patron. Là, là. Bon, du coup, moi, je vais aller taffer un peu quand même avant de quitter ce putain de taxi. Ah, tu quittes le taxi, toi? Ouais, j'ai trop donné. Là, le patron, il en a rien à foutre. Et j'ai remonté toute son entreprise. Maintenant, il a les cartes dans ses mains à lui de gérer. Hein. Mais bon, j'y crois pas trop. Il y a déjà trop d'émissions en même temps que la mienne. Ah. Ouais. Mais bon. Ça lui de faire en sorte que son entreprise elle tourne. Le patron c'est pas Santorito, je sais pas quoi là. Ouais, c'est lui. Mais bon. Bon allez, à plus tard les gars. Ouais, et Alexis. À plus tard. À plus. On va aller faire quand même un peu de thunes. Le truc c'est que ça rapporte pas grand chose. Faut beaucoup taffer. Mais vas-y, c'est pas infaisable non plus. Là, maintenant que j'ai plus la cliente dans le véhicule, est-ce que j'y gagne quand même les thunes? J'ai pas trop envie de faire 3 km pour rien, mais vas-y, on va tester. Hein. Quitte entre rien à rien. Ouais, c'est déjà ça. De toute façon, on fait ça jusqu'à 17h. Après, on arrête. Ouh. Après je fais quoi? Bah après je fais une pause et je relive ce soir. Là j'ai fait quoi? En tout à peu près 3 heures de stream ouais. Dans la journée ça va. Mais avec les courses PNJ à tout moment il y a un vrai client qui nous appelle. On verra hein. Ah, je vois ce qui nous dépose. Galère à poser le PNJ à cet endroit en plus. Avance, connard!
On dirait que j'ai le plot qui est encore coincé. Ah non, c'est bon. Ah ouais, j'ai quand même gagné l'argent. Pourquoi il me rentre dedans, l'autre trou du cul? J'ai quand même gagné l'argent, c'est déjà ça. En fait, c'est 10$ à moi, mais il y a 20$ à l'entreprise. Mais vous le voyez pas. Voilà. Tac. T'as encore 3 km, me dis pas que je retourne au Unicorn. Mais sérieux, frère. La route est longue. Le Parigo, c'est 10$ la course PNJ, ça va si tu rushes ça? Non, en fait c'est 10$ pour moi dans les poches, en gros je touche 30$ pratiquement. J'ai 10$ dans les poches et 20$ pour l'entreprise. Sauf que les 20$ pour l'entreprise, moi je les note dans ma fiche de paye. Et là ce soir quand le patron va faire les comptes, et bah il calcule les fiches PNJ pour ma paye aussi. Il calcule le montant que les PNJ me donnent, donc 20$. Ah, tu t'es endormi, Sky. Et du coup, il y a 20$. Et moi, je touche 70% de ces 20$. Sauf que, comme après, je pose ma lettre de démission, etc. Bah, je vais forcément toucher plus, hein, la prime de tout le travail que j'ai fait, etc. Ouais. Faut pas qu'ils calculent que les courses, hein. Faut qu'ils calculent aussi tout. Là, le nombre d'heures que j'ai travaillé, c'est énorme, hein, pour l'entreprise. Et surtout, les recrutements que j'ai faits, l'agencement de l'entreprise pour les salaires, etc. Les fiches de paye, c'est moi, je les ai faits. Tout ce genre de choses. Moi, je les ai faits avec la fleur. Donc, voili, voilou, hein. Bah oui, j'étais le seul à faire le taf. Du coup, tout le monde pensait que c'était moi le patron. Mais non, moi, j'étais que copatron. Enfin, je le suis toujours encore un peu pour le moment. Me dis pas qu'il me ramène au même endroit, je vais péter mon crâne. Mais frère, sérieux. Que j'oublie de manger et de boire, là pour le moment ça va. Moi, taxi, c'est toujours un truc que j'ai kiffé faire, mais là en RP ça colle pas. Genre, tout le taf que tu fais.
Ouais, je suis fait jour comme ça sur serveur. Bah merci, en vrai, moi j'aime pas la nuit. M'a éclaté les yeux par contre. Je sais pas ce que ça veut dire nager, frérot. Allez là, descends. Il me casse les couilles, c'est Penji là aussi. Oh, tu veux que je te dépose où, gros bâtard? Connard. Qui a changé quoi, frérot? Ah oui, bah oui, ça peut être qu'un staff. Bah oui, le jour, la nuit comme ça, sur GTA, ça existe pas. Ouais, ouais, c'est forcément un staff. On est 50 là, ouais, c'est possible. On est quel jour? On est dimanche, ouais, c'est sûr. Attachez votre ceinture, monsieur, hein, on va pas freiner là. Vous voulez m'amener loin? Vous allez subir une course rapide. Roulez-moi vite, s'il vous plaît. Non. C'est moi qui décide, c'est ma voiture. Vous me faites peur, là, hein? Attachez votre ceinture, tout va bien se passer. Mmh. On fait du RPPNJ, à quoi? Comment ils tournent ces PNJ, mais ils sont pires que nous. C'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Je kiffe trop faire des drifts. Oh, elle est stylée cette Buffalo là. Je m'arrête tout de suite. Coupez le contact de sortie du véhicule. Je coupe le contact et je descends du véhicule.
Monsieur West! Oui, monsieur l'agent, je vous écoute. Y'a pas un truc qui vous dérange là? Pourquoi vous arrête? Dites-moi. Vous savez, en tant qu'homme, on met des caleçons. Et mon pénis, il était à côté, ça me gênait. Et en conduisant, pendant un virage, j'ai voulu le remettre droit. Et j'ai potentiellement fait un petit drift sans faire exprès. J'ai repris le contact du véhicule. C'est surtout pour l'excès de vitesse qu'on vous arrête, monsieur West. Ah merde. J'avais donc, peut-être un peu le pied lourd, effectivement. Non mais là, ça va pas, monsieur West. Hein. Vous avez joué le taxi, caleçon serré, Bon, c'est pas grave. Écoutez, vous savez, là, il y a moins d'une heure, j'ai eu un rendez-vous avec un monsieur qui, pour moi, était mort. Ça m'a perturbé. Je reprends le travail pour essayer de penser à autre chose. Et c'est un peu compliqué d'être là. Oui, monsieur, je comprends. Mais bon, écoutez-moi bien. Il y a ça. Oui. Votre sœur a beau accoucher. Hein, votre tante a beau mourir. Hein, ça, c'est pas notre c'est problème. Il y a des gens qui meurent tous les jours à cause de la vitesse. C'est vrai. Exactement, je comprends. Je suis vraiment navré. Ceci ne se reproduira plus. Vous avez ma parole d'homme. Je l'espère, monsieur West. Allez, bonne journée à vous. Attention sur le pied, sur la vitesse. Je vais faire très attention. Merci à vous, vous êtes très honorable. Allez, bonne journée. il va pas recommencer, je le sens. Hein. Je le sens bien. 34. J'attache la ceinture de sécurité. Regarde mes rétroviseurs. Oui. Et le clignotant. Hein. Le clignotant également, bien sûr. Merci, merci infiniment. Et je démarre le contact. Je suis flic. Ah, je suis mort, ils sont trop gentils, frère. Ah là là. Eh, je vous dis, jamais ils me mettent une amende, ces flics, parce que je fais... Tu vois, je trouve bien le jeu, du coup, ça va, tu vois, et... C'est drôle. Ah là là. Bien sûr que non, je vais pas recommencer. C'est pas comme si j'étais déjà à 100 km/h en train de faire des drifts. J'ai rien compris. Je vais me faire niquer. J'avais oublié le client derrière. Ouais, il est marrant. Bonne journée, au revoir. Ah, je suis mort, frère. L'excuse que j'ai sortie. J'avais mon pénis à côté, là. À côté du caleçon, fallait que je le remette droit. J'ai fait un drift. Ah, je suis trop bon pour improviser des trucs à la con, moi. Ah, c'est un délire. Tu es incroyable. C'est toi qui es incroyable. Ah, je suis mort. Mais n'ayez pas peur, voyons, je suis un bon pilote. De kilomètres 39. Eh mais attends. J'ai pas noté notre course. Voilà.
Par contre, si je les recroise, frère, ils vont me terminer. Yeah! En plus, j'ai de la... Vous allez bien, monsieur? Excusez-moi. Oh, bordel de merde. Ils vont jamais y arriver avec moi. C'est PNJ. Désolé pour ça. Et je continue à rouler comme de la merde. Là, c'est trop, je te jure, frère. Le taxi, il respire plus. Yeah. Je l'avais pas vu celui-là. Allez-y, descendez, monsieur. Ok. Ok, bon là je suis à 400 dollars. Mais il aurait pu fermer la porte. Aïe, j'en ai marre. Il y a des poteaux partout ici, c'est pas possible. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à me concentrer là, je sais pas ce qui m'arrive.
Bon, les derniers en client. Toujours les mêmes virages, putain. Oh la connerie, toi. La putain de connerie. Regarde, l'arrière il est bien, l'avant il est éclaté, frère. C'est un croissant, c'est une béchamel, frère. Une béchamel niçoise. Tu l'as eu ton permis les... Je me suis connecté pour la première fois sur le serveur, j'avais déjà mon permis sur moi. Voilà, si tu veux tout savoir. Revolgora. Ok. T'es les éclaté le taxi. Eh bon, vous pouvez descendre, madame. Au revoir. Bah les affaires ça marche hein. Et là vous savez pourquoi ils mettent le jour? Parce qu'à la réunion illégale on s'est plaint. Enfin ils se sont plaints et moi aussi j'étais du même avis. Que c'était chiant parce que il y avait plus de nuit que de jour. Et du coup on pouvait pas vendre et c'était relou. Et là maintenant ils laissent le jour pour qu'on puisse vendre. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je te jure, mes ennemis, c'est les poteaux de cette ville et les murs, frère. Yeah. Mais pourquoi il s'est cassé la gueule, l'autre? Ouais, j'avoue, c'est la fin aussi. En parlant de faim, va falloir que je mange. Refaites-moi penser, dans 5 minutes, faut que je mange. Là, j'ai la flemme. Alors s'il y a les flics, je meurs. Ah. Course poursuite à ce que je vois. Ils sont où? Il y avait des mecs qui me suivaient derrière. Sous la map? Il est vraiment tombé sous la map? Bah bien fait pour sa gueule, chah. Non mais ça aurait...
ça aurait été grave possible en plus. Attends, ils sont là. Vous avez essayé de m'arrêter ? Ah, t'es là ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, y'a pas moyen que tu déposes mon collègue. Attends, excuse-moi. Deux secondes, bonsoir, je m'écarte un peu parce que ça gueule. Ça va et toi ? Ça va, tranquillement. Ouais, y'a ces messieurs qui essayent de m'arrêter, je sais pas pourquoi. Je crois que vous voulez l'arrêter, les gars. Je vous écoute, hein. Oh, vous essayez d'arrêter, les gars. Ouais. Y'a un problème, excuse-moi, vas-y. C'est possible de me déposer à un endroit, s'il vous plaît ? Mais vous étiez en véhicule, non ? Ah non, moi non. D'accord, bah allez-y, montez. Merci. Très bien. Allez, on s'arrête, hein. Vous êtes cerné. Ça va ou quoi, la police, tranquille ? Vous êtes cerné, hein, on s'arrête. Ouais, y'a pas de cerné ici. Putain, mais lui, hein. Ok. Dites-moi, où est-ce que vous voulez que je vous dépose ? Alors, attendez, y'a que qu'ils... Je vais juste leur demander... les gars, je vais où encore ? Ok. Du coup ? Serait possible d'aller à la fourrière, s'il vous plaît ? À la fourrière, très bien. Je vais juste déposer un truc à la banque, comme elle est juste en dessous, et je te dépose là-bas. Ça va, merci. Merde ! Putain ! Aïe 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 ! Enculé, ma culé ! Aïe aïe aïe, vous allez bien ? Ça va, un peu secoué, mais... Ouais. Je m'attendais pas à ce qu'il allait avancer, je m'attendais à ce qu'il freine. Connard ! Ah, bordel ! Ah, ça va aller. Ouais, on va y arriver. Ah, c'est ici la banque ? Ouais, c'est juste ici. Oh, bordel ! Oh, désolé, hein. Oh, pas de soucis, ça tombe bien, faut que je fasse ma carte, moi. Ah, parfait. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Bonjour, monsieur. Oui, et vous ? Ouais, ça va super, merci. C'est quoi cette arnaque, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Je peux peut-être vous aider. Bah, en fait, je suis en train de prendre... Enfin, j'avais pris des informations concernant le compte épargne auprès de cet agent. Et je viens lui demander l'historique, du compte épargne. Et il n'y a plus rien. Oula. Effectivement, ça reste un gros problème quand même. Donc, je comprends pas. Et le monsieur peut pas me donner de réponse. Il dit qu'il est au courant de rien. Bizarre. Oui. Essayez de prendre un petit rendez-vous avec le gouvernement, déjà, pour vous faire rembourser si vous avez mis quelque chose dedans. Bah oui, là, je me trouve un peu dépité. J'essaye de me calmer. Ouais, effectivement. Je ris, mais c'est nerveux, excusez-moi, mais... Oui, non, mais je comprends tout à fait. J'espère pour vous que vous allez réussir à récupérer votre argent, et puis ouais, c'est bizarre. Oui, là je vous avoue. Et le silence de cet agent ne fait que... Oui, tout à fait. Vous énervez encore plus. Oui, j'avoue, j'aime pas rester sans réponse comme ça. Je comprends. Bon, enfin, c'est pas grave. Écoutez, bon courage à vous, hein. J'espère que vous allez pouvoir récupérer votre argent. Normalement, ça devrait pas poser problème face à ce genre de soucis. J'espère aussi. Ben, sinon, je viendrai revoir le monsieur. On se réexpliquera, c'est pas de souci. Vous avez entendu, monsieur ? Je reviendrai. Oui, faites attention à vous. Vous venez quand vous voulez. Hein. Y a pas de souci. Ouais. Bonne journée à vous. Fait un peu de mal. Hein. Bonne journée également. Faites attention. Un peu, ouais. Putain. C'est parce que c'était avant les banquiers de nos jours. C'est vrai. Un truc qui change. Ouais. C'est bien gros qu'on peut pas faire confiance à la banque. Putain. Mon taxi ressemble à une béchamel. Ou à gruyère. Ouais. C'est clair.
m'expliquer, hein, c'est quoi, Il y a beaucoup de police, à ce que je vois. Aïe. Ouais. On est plus à ça près. Ouais, mais ça va, ils sont pas méchants. Bah, je sais pas, moi, ils m'ont arrêté plusieurs fois aujourd'hui, ils m'ont jamais mis une amende. Après, je trouve des excuses. Ah ouais. Mais j'avais fait un petit drift. Je leur ai dit que c'est parce que j'avais mon pénis à côté de mon caleçon, ça me gênait. Du coup, je leur mettais droit et j'ai fait un drift sans faire exprès, c'est passé. D'accord. Voilà. Mais moi, en fait, le problème, c'est que hier, je roulais la toute première fois avec mon tout nouveau véhicule, comment faire. Et ils m'ont arrêté, ils m'ont pas allumé droit, ils m'ont mis une amende assez salée et j'ai un peu du mal à la payer. Vice de procédure, quoi. Là. Ouais. On peut demander un vice de procédure. Mais ça, il faut que je voie avec un avocat, comme a dit, pour pouvoir. Et voici pour vous. Ouais. Merci. Je vous fais la petite facture. Oui. Et voici pour vous. Vous pouvez la régler directement sur l'application banque du téléphone. Et 65 dollars encore plus dans la poche. Parfait. Et ben, on vous souhaite une bonne journée et bon courage. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Putain, je me suis trompé sur un truc. Et voilà. Et c'est tu par. Ah ouais, faut que je mange bien vu. Tu t'en es souvenu. La gueule du taxi, putain, je les ai pas respectés eux avant de me barrer. Fallait pas lui dire qu'il fasse quoi, un coma, mais vous êtes fous, vous. Mais t'es méchant, Vologra, là. C'est même pas Volgora, c'est Vologra. Vologra. Volgogra. T'es ingrat, mec. Volgogra. Volgro ingrat. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux ? Vol gros rat, je te jure. T'es un rat. Je rêve où cette musique elle passe en boucle depuis tout à l'heure là. Elle dure combien de temps, frère ? Wow ! Let's go ! Mais là, pour le moment, je vois pas trop l'intérêt d'un contrat pour le mécano, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bon, c'est parce que moi, je vais faire les réparations gratos. Bonjour.
Ce soir, rendez-vous entre nous vers 21h à peu près. 21h au cache-cala. Ouais, parfait. Bonne soirée. Moi, je vais dormir. Bonne soirée. Voilà. Bon, les frérots, j'espère que vous avez kiffé cet après-midi. Ça va, c'était bien en vrai. C'était bien en vrai. Je m'attendais à rien, il s'est passé des choses. Il s'est passé plein de choses. C'était cool. Sûrement, je relive ce soir. Si tout va bien. Du coup, moi, je vais vous laisser là. Je vais vous dire à ce soir. Et on se retrouve demain. Ce soir, merde, pour un prochain live. Je sais plus parler, les frères. Bah allez, des bisous. À ce soir, les frérots. Ciao, ciao. Bah tant mieux si c'était le meilleur. Ça fait plaisir. Allez, des bisous à toutes.